asking me in the last few days, who is that handsome man? Well, he's Mikhail. Welcome to Pondicherry. The French magazine, Air France magazine, recently nominated almost our Alliance Française as un lieu d'écriture. And here we have écrivain coming. I'm grateful to Monsieur Nicolas and also Monsieur Olivier for arranging this evening by a personality who is quite an amalgamation of a lot of different spaces and countries. Madagascar, France, Japan, Réunion Islands, Pondicherry. So he has actually grown up and worked in all these places, and he is, what I say, a true worldian, a person of the world, a true worldian. I did get a chance to speak to him a few days ago, and I found out that there are a lot of things that we can learn from Monsieur Ferrier. Very grateful. I would not like to come between him and you. And with this, I let the evening unfold in French. I just added a little color by speaking to you in English. Thank you so much. Thank you. Merci, Lalit. Thank you, Lalit. Bonsoir à tous. Et merci d'être là pour cette rencontre avec Mikhail Ferrier. Je tiens à remercier dès à présent Nicolas Delon d'être parmi nous et d'être un des deux intervieweurs, discuteurs de cette soirée. Ce n'est pas un café littéraire comme les autres. C'est Mikhail n'est pas arrivé hier pour repartir demain. Mikhail est en résidence. C'est une résidence de 15 jours, ce qui est court, certes, mais tout de même, ce qui permet de rencontrer du monde, de ressentir les choses, surtout quand, comme Mikhail, on a la passion du mot juste, la passion de l'exactitude, que l'on est chercheur aussi, à côté de créateur. C'est une résidence qui se fait en lien, en collaboration avec la Cité de l'immigration à Paris et l'Institut français à Paris. En effet, chaque année, depuis 2010, la Cité de l'immigration organise un prix littéraire et offre un prix littéraire, le prix littéraire de la Porte Dorée. Et Mikhail est le lauréat 2011. Ce prix vise à récompenser un écrivain dont l'œuvre s'inscrit, grosso modo, dans la thématique de l'exil. De l'exil, du métissage, de la créolité. Et c'est précisément dans ce cadre qu'en 2011, Mikhail a obtenu, donc était le lauréat de ce prix pour un roman qui s'intitule « Sympathie pour le fantôme », qui est un chef-d'œuvre absolu. Donc je tiens à remercier l'Institut français, sans qui cette résidence n'aurait pas été possible. Je remercie également, évidemment, la Cité de l'immigration et notamment Elisabeth Laine, qui est responsable du prix de la Porte Dorée, et qui s'est beaucoup aidée pour que cette résidence existe. En fait, elle n'existe en réalité que depuis un an. On a eu beaucoup de chance. Et je souhaiterais que Mikhail prennent la parole d'ailleurs pour parler un petit peu plus avant de ce prix, de ce qu'il signifie, puisqu'il était au jury du dernier prix. Mikhail. Oui, bonsoir, vous m'entendez, ça va? Alors, d'abord, je m'associe à tous les remerciements qui viennent d'être dits. L'Alliance française, et bien sûr, j'y ai inclus celui qui a eu sans doute le rôle le plus
décisif, c'est-à-dire Olivier Lidvine lui-même, qui, dans sa grande modestie, ne peut pas se nommer, évidemment. Je le fais et je suis très content aussi de partager la scène avec un frère d'écriture, Nicolas Delot. Alors, pour présenter le prix littéraire de la Porte Dorée, c'est un prix jeune, il existe depuis 2010. Il manquait énormément, je trouve, dans le paysage littéraire français. Pourquoi ? Parce que c'est un prix qui est centré, ou plutôt qui gravite autour de la notion d'exil, de migration, qui est donc lié à ce lieu que vous connaissez peut-être, qui est le musée de la Porte Dorée, à Paris, près du Bois de Vincennes, et qui est l'ancien musée des colonies, qui aujourd'hui est donc le musée de l'immigration, qui a eu une histoire très tumultueuse, mais qui aujourd'hui donc est dédié à essayer de rappeler et de promouvoir en même temps la mémoire d'une France qui serait une France plurielle, une France nourrie de plusieurs apports étrangers, une France hybride, créolisée, avec tous les problèmes que cela peut impliquer, mais aussi avec tous les fruits, tous les effets positifs que cela entraîne également. Donc voilà, ce prix existe maintenant depuis 5 ans. Il commence à devenir quand même très très connu parce que d'abord il est constitué d'un jury avec de grandes personnalités comme des gens comme Arlette Farge, historienne de renom. Et puis on a aussi des étudiants, même des lycéens, de lycées français, de lycées parisiens et de lycées de la banlieue parisienne. On a eu des lycéens, par exemple, de la banlieue proche. Et donc, ça fait aussi un mélange de classes sociales qui est assez détonnant. Et on dit souvent que les jeunes Français ne lisent plus. Je vois chaque année dans ce jury la preuve du contraire. Les jeunes, y compris des jeunes issus de milieux très défavorisés, des jeunes de banlieue, qu'on appelle parfois racailles, savent lire et ils lisent très bien. Et en plus, ils défendent leurs opinions avec un tranchant et une énergie qui donne de l'enthousiasme. Voilà. Et pour finir la présentation de ce prix, il faut le dire, donc c'est un prix aussi qui se veut convivial, c'est-à-dire qu'il y a une sélection de 8 à 10 romans qui sont donc en dernière lecture. Et la cérémonie de remise du prix, on invite tous les participants, et on présente chacun des livres. C'est-à-dire que ce n'est pas un prix pour mettre en valeur uniquement une seule personne, le lauréat, c'est un prix pour mettre en valeur un ensemble de personnes qui travaillent dans la même direction, même s'ils font des œuvres très variées, très différentes et parfois contradictoires. Voilà ce que je pouvais dire pour présenter ce prix. Très bien. J'ajouterais que 15 jours, ce n'est pas long. Mais c'est du boulot parce que, à l'issue de cette résidence, Michael va produire un texte. Ça fait partie, donc évidemment, du concept de résidence. Production d'un texte, alors c'est à lui d'en décider, évidemment, non seulement le contenu, la longueur. Je pense que tu as déjà trouvé un titre. Je n'ai que le titre. Voilà, il a déjà trouvé un titre, c'est un début. Voilà. Alors, comme je suis là depuis quelques jours, je ne connaissais absolument rien à l'Inde ni à Pondichéry avant d'arriver. Ma grand-mère est indienne. Elle est indienne de Goa. Donc j'ai de la famille indienne à un niveau assez proche, ma grand-mère. C'est la première fois que je viens en Inde. Et cette famille indienne, en fait, s'est exilée, elle aussi, puisqu'elle faisait le voyage longtemps. Elle a fait un mouvement pendulaire entre l'Inde et Madagascar. Et puis un jour, ils ont décidé de s'arrêter à Madagascar et de s'installer à Madagascar. Donc c'est la première fois que je viens en Inde. 15 jours pour découvrir un pays, et notamment l'Inde, c'est évidemment dérisoire. C'est pour ça que j'ai choisi, en fait, c'est un vrai défi pour moi de faire un texte dans ces conditions. Et donc j'ai choisi de faire un texte kolam. Voilà. Alors qu'est-ce que c'est qu'un texte kolam ? Le kolam, vous savez tous ce que c'est, évidemment. J'ai été frappé quand je suis arrivé à Chennai, par le bruit.
vous vivez dans un pays extraordinairement bruyant. Je vis à Tokyo, au Japon, qui n'est pas une ville, qui n'est pas une petite ville non plus. C'est même la plus grande ville, la ville la plus dense de la planète, c'est Tokyo, et pour quelques années encore, nous disent les experts. Mais Tokyo, c'est une ville très dense, très peuplée, mais extraordinairement silencieuse, feutrée. Alors, si vous allez à Tokyo, un jour, vous allez voir, c'est une ville qui, malgré son gigantisme, est quand même une ville fluide, une ville où tout se passe de manière très, très coulante, très souple, y compris au niveau des sonorités. La première chose qui m'a frappé, très banalement, quand je suis arrivé, c'est les klaxons. Ça klaxonne, on dirait que le klaxon ici est un mode de communication comme un autre. C'est presque une façon de parler. Et donc, je suis en train de faire une petite typologie des klaxons que j'entends. Et avec ces klaxons, je voudrais les mettre en relation, donc un art sonore, si vous voulez, avec un art visuel, qui est l'art du kolam. Donc le texte s'appellera Kolam pour quelques millions de klaxons. En anglais, ce sera Kolam for a few million horns. Je ne sais pas encore ce que va donner ce texte, mais vous en aurez évidemment la primeur. Très bien. Merci. Voilà, donc très brièvement, hein, je ne vais pas passer trop de temps sur la biographie. Michael est né à Strasbourg, il a passé son enfance en Afrique et à Madagascar, et puis il est revenu en France, et là il a poursuivi de brillantes études, intégré l'école normale supérieure, passé l'agrégation, et comme tout jeune français à l'époque, il a fait son service militaire, comme il avait un diplôme, il a fait son service militaire à l'étranger. Devinez où il a fait son service militaire, au Japon. Et au bout de 10 jours, il a décidé qu'il est tombé amoureux de ce pays, et je crois qu'il y est sans discontinuer depuis 23 ans. Voilà, avec quelques retours en France, évidemment. Il a aussi un doctorat sur Céline et la chanson. Et il dirige un groupe de recherche sur les figures de l'altérité à l'université de Chuuk, la grande université de Tokyo. Figure de l'étranger. Un titre que j'ai emprunté au regretté Abdelkebir Khatibi, qui a été d'ailleurs le premier invité écrivain maghrébin, qui a été le premier invité de notre groupe de recherche il y a une vingtaine d'années déjà. Alors, il a écrit des essais, notamment un essai qui fait l'art sur Fukushima, on en parlera tout à l'heure, puisqu'il a été témoin de ce désastre. Des romans, Sympathie pour le fantôme, et un roman qui sort le 27 août prochain, Mémoire d'outre-tombe, dont on s'abstiendra de parler. Mémoire d'outre-mer. D'outre-mer, pardon. Mémoire d'outre-tombe, c'est un mémoire prédécesseur. J'ai mélangé le fantôme et l'outre-mer, voilà, c'est ça. Mémoire d'outre-mer. La raison pour laquelle j'ai été absolument transporté, dans le sens littéral du terme, par l'écriture de Michael, c'est que c'est tout le contraire de, vous savez, cette écriture qui a tenu ou qui tient encore un petit peu l'eau du pavé en France, qui est extrêmement minimaliste, et puis qui se préoccupe énormément de son moi, de son nombril, éventuellement on peut aller jusqu'au nombril du voisin, mais là c'est une grande aventure. Michael, c'est tout à fait le contraire, c'est un écrivain des grands espaces, des grands espaces stylistiques aussi, et je pense que c'est ce qu'on va essayer d'explorer un petit peu ce soir. Nicolas aussi est un écrivain des très grands espaces, aussi un écrivain de la mer, et je crois que là il y a une véritable une fraternité, comme le soulignait Michael tout à l'heure. J'aimerais poser ma première question. Michael, tu as un jour interviewé Daniela Ferrière, qui est maintenant à l'Académie française, écrivain haïtien, qui réside à Montréal. Et donc sur le titre, c'était « Je suis un écrivain japonais ».
qui est le titre d'un roman de Dany Aferia. Te considères-tu aussi un petit peu comme un écrivain japonais ? Oui, 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 bien sûr. Alors, c'est de cet entretien que j'avais fait avec Dany Laferrière, qu'on avait sous-titré malicieusement « Quand le ferrier rencontre la ferrière ». C'est un entretien qui est paru dans la NRF, la Nouvelle Revue Française, chez Gallimard, la revue de Gallimard. Et j'avais demandé à faire cet entretien avec Dany Laferrière à l'époque, quand il est arrivé au Japon, pour plusieurs raisons. D'abord, parce qu'un écrivain haïtien noir qui écrit en français une phrase comme « Je suis un écrivain japonais », ça me paraissait appeler quelques éclaircissements. Donc je voulais savoir, c'était une manière de réfléchir sur, à la fois sur qu'est-ce que c'est qu'être un écrivain japonais et en même temps qu'est-ce que c'est qu'être un écrivain haïtien, donc qu'est-ce que c'est qu'être un écrivain tout court. En plus, comme vous le savez, Dany Laferrière a vécu un séisme, le séisme de Haïti. Moi, je venais de vivre le séisme du 11 mars 2011 à Tokyo et ensuite le tsunami et la catastrophe nucléaire de Fukushima. Et donc, on est entré en relation comme ça. Et on a d'ailleurs une longue série d'échanges par mail où lui me raconte le séisme de Haïti. Moi, je lui racontais le séisme de Tokyo. Et finalement, on appelait ça les regards croisés ou les séismes croisés. Et c'était très intéressant, cette espèce d'étude comparative de la façon dont on vit un séisme quand on est un grand pays développé, industrialisé comme le Japon, et quand on est un pays comme Haïti, qui a vécu le même drame, mais avec quand même 10 fois plus de morts à la sortie. Donc voilà, c'était pas simplement un dialogue d'écrivain, c'était aussi une manière de mettre sur table des problèmes concernant la gestion des désastres en fonction de la catégorie de pays auquel on appartient, à laquelle on appartient. Sympathie pour le fantôme. Ça, c'est quand même un titre aussi qui va pas de soi. Parce qu'il y a ces trois exceptions de fantômes. Si tu pouvais en... Alors, Sympathie pour le fantôme. C'est un roman. Alors, le narrateur est professeur à l'Université centrale de Tokyo. Et en même temps, il fait de la télévision. Il présente une émission de télévision à la NHK, qui est la grande chaîne de télévision japonaise. Il se trouve que moi-même, je suis professeur à l'Université Chuo de Tokyo. Chuo, en japonais, c'est-à-dire le centre. Et que j'ai présenté pendant une quinzaine d'années à la télévision japonaise une émission sur la culture française. Donc, c'est un roman qui est, au moins en apparence, autobiographique. Et l'argument, le pitch, comme on dit aujourd'hui, du roman, c'est donc ce jeune homme à qui on demande de faire une émission spéciale sur la France. Donc de présenter la France aux téléspectateurs japonais. Comment parle-t-on de la France à des Japonais ? Et alors il se trouve qu'il a plusieurs idées. Mais pour présenter la France aux Japonais, il pense d'abord à une espèce de panoramique qui irait, par exemple, de Vercingétorix ou Clovis jusqu'à Nicolas Sarkozy et Zinedine Zidane. Vous voyez, ça ferait une tranche d'histoire de France longiligne. Et puis, il décide que ce panoramique n'est pas vraiment la solution, parce que quand vous faites un panoramique, ça laisse toujours des zones dans l'ombre. Donc, il va choisir le contraire. Il va choisir 3 personnages de l'histoire de France. Seulement 3. Et 3 personnages qui ne sont pas des grands personnages, qui sont des personnages complètement oubliés. Il y a d'abord un marchand d'art qui s'appelle Ambroise Vollard. Ambroise Vollard, c'est un réunionnais. On commence aujourd'hui à le reconnaître à sa juste valeur. Ambroise Vollard est tout simplement le premier Français à avoir exposé Picasso. C'est lui qui a fait la première exposition Picasso, la première Van Gogh, la première Gauguin, et la première exposition personnelle de Matisse. Matisse avait déjà fait des expositions collectives, mais c'est Vollard qui fait la première exposition personnelle de Matisse. Donc vous voyez, c'est quelqu'un qui défend des peintres, Van Gogh, Gauguin, Picasso, Matisse, et ces peintres-là, à l'époque, début du 19e siècle, ces peintres ne sont pas du tout reconnus comme les grands peintres qu'ils sont aujourd'hui. Donc il prend des risques. Il est aussi marchand d'art, il achète des tableaux, il les revend.
mais surtout il prend des risques pour promouvoir des artistes qu'il aime et dont il pense qu'ils sont importants. Et Ambroise Zola, en fait, disons le mot, Ambroise Zola a fait entrer la France dans le XXe siècle du point de vue de l'histoire de l'art. C'est lui qui lance vraiment tous ces peintres dont j'ai parlé, ainsi que quelques autres, et il a également une très grande importance en tant qu'éditeur, éditeur de livres d'art. Donc c'est le premier fantôme, ce personnage oublié, que j'ai voulu faire revivre. Le deuxième fantôme, vous le connaissez sans doute un peu mieux, c'est une femme. Elle s'appelle Jeanne Duval, c'est la muse de Baudelaire, mais une fois qu'on a dit ça, on n'a rien dit, parce que quand on regarde aujourd'hui la place qu'a laissée Jeanne Duval dans l'histoire française, dans l'histoire littéraire française, on s'aperçoit que cette place est complètement sous-estimée. Souvent, en gros, aujourd'hui, dans les manuels d'histoire littéraire, Jeanne Duval, c'était la prostituée de Baudelaire, qui l'a vaguement inspirée pour quelques poèmes. Et donc, dans Sympathie pour le fantôme, je la choisis, elle, comme deuxième fantôme, parce que c'est une femme, d'abord, parce qu'on ne sait pas trop d'où elle vient, sans doute d'Haïti, mais c'est même pas sûr. Elle n'a donc pas laissé grande trace. Et aussi parce que, à mon avis, et c'est ce que j'essaye de montrer dans le livre, Jeanne Duval a eu une influence déterminante sur les Fleurs du Mal, bien au-delà de ce qu'on dit aujourd'hui, encore aujourd'hui, en 2015, dans les cours de... histoire littéraire. Donc voilà, Ambroise Zola, un marchand d'art, Jeanne Duval, une prostituée, une muse également. Et puis le troisième personnage, alors c'était sans doute le moins connu des trois, il s'appelle Edmond Albus. C'est aussi un réunionnais, un petit tropisme réunionnais chez moi. Edmond Albus est l'inventeur de la vanille. La vanille, vous le savez peut-être, c'est une orchidée, c'est une fleur. Et pendant très longtemps, on ne savait pas quoi faire avec cette fleur. Parce que personne n'avait trouvé le moyen de féconder artificiellement la vanille. C'est-à-dire que pour féconder la vanille, il fallait une abeille qui s'appelait la mélipone. Mais cette abeille, on ne la trouvait pratiquement qu'au Mexique. Et au XIXe siècle, toutes les entreprises d'exportation de la vanille, ou d'importation en Europe, eh bien, ces importations de la vanille, elles restent cantonnées à un usage décoratif. C'est-à-dire, la vanille va être seulement une fleur, ça va être quelque chose pour orner un mur ou décorer une maison. Parce qu'on ne sait pas reproduire artificiellement la vanille. Et des grands savants, des grands chercheurs en Europe se penchent sur le problème et n'arrivent pas à le résoudre. Donc, la vanille a un rôle purement esthétique, décoratif pendant très longtemps. Et tout à coup, à la fin du 19e siècle, début du 19e siècle, c'est un jeune esclave, il a 12 ans, Edmond Albus a 12 ans, lorsqu'il découvre un moyen très simple, un simple geste de la main pour mettre en contact le pistil et l'étamine, c'est-à-dire bref, pour féconder la vanille d'une manière qui ensuite peut être reproduite à l'infini. Et ça ouvre donc à la vanille un nouveau rôle qui n'est plus seulement un rôle de décoration. Mais désormais, on va pouvoir utiliser la vanille dans les pâtisseries, dans la parfumerie. Bref, va se mettre en place tout un marché économique de la vanille qui fait, par exemple, que lorsque Coca-Cola, au XXe siècle, fait son fameux Coca-Cola, il utilise de la vanille naturelle, et notamment de la vanille de Madagascar et de l'océan Indien. Et il y a une dizaine, une quinzaine d'années, lorsque Coca-Cola, pour réduire les coûts, commence à utiliser de la vanille synthétique, le marché de la vanille s'effondre complètement dans l'océan Indien et donc dans le monde. Et heureusement, Coca-Cola est revenu à la vanille naturelle pour la boisson, pour le Coca-Cola que vous buvez ou que vous ne buvez pas d'ailleurs tous les jours. Donc voilà, ces trois fantômes, vous voyez, un homme, Ambroise Vollard, une femme, Jeanne Duval, un enfant, Edmond Albus, un créole, une noire d'origine indéterminée, un esclave, et dans des trois champs différents, c'est-à-dire l'histoire de l'art, la littérature et le marché économique. Donc ce sont ces trois personnages que j'ai choisis pour, que le narrateur de Sympathie pour le fantôme choisit pour raconter l'histoire de France. Donc il va choisir ce qu'il appelle trois fantômes, qui vont, l'intrigue est linéaire, mais à trois moments, elle est rompue, elle est brisée par le surgissement, si vous voulez,
de ces trois personnages qui emportent avec eux une grande partie de l'histoire de France. Justement, on va peut-être essayer de prolonger ça, parce que c'est un choix qui est malgré tout le choix d'un auteur aussi, et un choix qui n'est pas innocent. Ça permet de donner un visage à la France qu'on n'a pas l'habitude d'entendre. On imagine, on a tous en tête ou à l'oreille le visage de la France qui était celui de Jean Moulin dans le discours que lui a consacré Malraux, mais pas ces visages-là. Or, il se trouve que c'est un sujet actuel et brûlant. La France, et la France littéraire, et la France imaginée, est un pays, alors on pourrait peut-être étendre la chose, je ne sais pas, un pays que vous qualifiez vous-même de pays aux bordures incalculables. Et j'aimerais qu'on revienne sur ce terme. Après, on entrera peut-être dans la pratique même de l'écriture, parce que le roman dont on est en train de parler, peut-être on l'a pas assez souligné, est un roman formidablement composite, comme la France qui est décrite dans le roman en question, formidablement composite et en même temps parfaitement unie, c'est-à-dire sans solution de continuité, sans rupture véritable, mais avec une esthétique du surgissement qui est extrêmement intéressante. Donc voilà, pour revenir à ça, ce visage et ce choix d'auteur de ces trois personnes, ça correspond aussi peut-être à un travail universitaire et à une vision de la littérature, des littératures de langue française aujourd'hui. L'articulation entre eux, ce travail universitaire, cette réflexion universitaire d'un côté et la pratique de l'écriture de l'autre, ça s'est fait comment, cette articulation? Alors le livre Sympathie pour le fantôme a été écrit en pleine polémique sur l'identité nationale en France, au moment où le président de la République, Nicolas Sarkozy, avait décidé de créer justement le ministère de l'immigration et de l'identité nationale en accolant donc ces deux problématiques. Donc évidemment, le livre est pris dans un contexte politique très précis. En même temps, c'est vrai, comme tu le soulignes, que je travaille pour ma part en tant que chercheur depuis des dizaines d'années sur ce qu'on appelle les littératures francophones ou les littératures d'expression française. Et c'est vrai que quand je suis arrivé au Japon, par exemple, on m'a demandé de faire cours à l'université sur la littérature française. Et il y a 20 ans, par exemple, les littératures francophones au Japon, ça n'existait pas. C'est-à-dire que la littérature était française ou elle n'était pas. C'est-à-dire que les grands écrivains français, c'était Proust. C'est toujours d'ailleurs Marcel Proust qui est traduit 4 fois en japonais. La recherche du temps perdu est traduite 4 fois, 4 traductions différentes. C'était Camus, grande star au Japon, c'était Sartre, c'était Saint-Exupéry. Et ça reste toujours ces 4 figures, ce quatuor. Mais disons qu'aujourd'hui, il y a une prise de conscience depuis quelques années déjà, et que par exemple les écrivains de la créolité, des écrivains comme Daniel Ferrière, dont on parlait tout à l'heure, ou des écrivains comme Édouard Glissant, Marie Scondé, sont venus au Japon et sont venus pour certains plusieurs fois. Et on rencontre des thèmes et des problématiques, des thématiques, mais aussi des problématiques similaires dans le cas de la créolité et dans le cas des études japonaises. Il y a des écrivains japonais qui se reconnaissent tout à fait dans les problématiques des écrivains de la créolité. Donc le livre Sympathie pour le fantôme parle aussi de ça, puisque en plus de l'émission de télévision qui doit présenter la France aux Japonais, il y a un grand colloque sur l'identité nationale qui a vraiment eu lieu, hein, que je parodie vertement, je le critique un petit peu, mais ce colloque a eu lieu, il y en a des traces, même sur Internet, donc tout ce que je dis est vérifiable, on peut aller vérifier comment ça s'est passé. Alors amusant, ce colloque justement, ça me fait glisser sur un autre aspect de ce livre. À la fois, on a donc ces fantômes pour lesquels on ressent nous-mêmes une sympathie extraordinaire, mais aussi un certain nombre d'autres fantômes convoqués dans le style, dans l'écriture. Il y a dans la description de ce colloque à la fois
des saveurs de David Lodge, des saveurs de Céline, peut-être même des saveurs de Voltaire, et sans s'en cacher le moins du monde et sans en faire non plus une sorte de secret d'entre-soi, l'écriture de ce roman semble se nourrir de tout un paysage littéraire qui est aussi un paysage classique, finalement. Tout à fait. Moi, je n'écris pas tout seul. D'ailleurs, je suis assez sceptique sur la figure de l'écrivain solitaire, inspiré par je ne sais qui. Je pense que quand j'écris, je fais tourner la bibliothèque. J'écris avec des morts, j'écris avec des vivants. Je n'écris jamais tout seul. Il y a des voix qui sont en moi, qui me traversent, ou bien que je vais chercher moi-même, que je vais récupérer. Des voix soit très connues, comme celle de Céline. Alors il y avait un peu d'ironie, évidemment, de faire intervenir lui, Ferdinand Céline, cet antisémite notoire, dans un roman comme Sympathie pour le fantôme. Il y avait évidemment une part de provocation. Mais je rappelle quand même que Céline, au tout début de Voyage au bout de la nuit, si vous vous en souvenez bien, donne une définition de la France qui est assez frappante. Il dit que la France, finalement, c'est le bout de l'Europe, et que les Français sont arrivés là il y a très longtemps, de tous les coins de l'Europe, et ils ne pouvaient pas aller plus loin, parce que d'un côté, il y a l'océan, en haut, il y a la Manche, en bas, il y a la Méditerranée, donc ils restent là, comme dans un sac où ils vont se mélanger. Donc, évidemment, chez Céline, il y a beaucoup de verdeur et un peu d'ironie lorsqu'il dit ça, mais cette définition, finalement, n'est pas si mauvaise, me semble-t-il. Ouais, on la rejoint, effectivement, de ce ramassis de pouilleux, chassieux, etc. Donc les termes de Céline sont très très durs, alors qu'il y a un grand amour, finalement, qui émane dans le livre de l'évocation de ces fantômes. Est-ce qu'on pourrait en lire un petit bout, peut-être ? Je pense. Oui. Allons-y, juste un petit morceau du livre. Oui, allez, deux paragraphes. Faire ressurgir des pans de mémoire oubliés. Histoire des invisibles, quelque chose qui n'est pas retrouvable dans les archives officielles. Se référer à un certain nombre d'événements constitutifs de la nation française et contester le récit unique du rapport au lieu que proposent les discours dominants. Faire feu de tous ces petits bois, des fragments, des traces, des rappels. Il ne s'agit pas tant de juger que de comprendre. Et surtout de combattre la mort, cette deuxième mort qui est l'oubli. Redonner vie à ce feuilletage étonnant qui forme la nation française. Alors les époques se télescopent. Alors les racismes volent en éclats. Alors le pluriel revient dans le lieu, dans la langue et dans les mémoires. La France donc, voilà le sujet. Il ne s'agit pas d'un supplément au récit national, mais de ce récit lui-même, de la France et ses bordures incalculables. Non pas ce manuscrit racorni comme une peau de chagrin qu'on veut nous imposer aujourd'hui, flatteur, édulcoré, oublieux, politiquement inepte et esthétiquement périmé, mais un grand livre ouvert, divers, incontrôlable. Merci. Merci. Je vais poser une question, parce qu'il y a des portraits, justement, Nicolas parlait de David Lodge, célèbre pour avoir croqué le monde universitaire notamment Small World, si je ne m'abuse, entre autres. Il y a des portraits qui sont quand même assez satiriques. Est-ce que ça t'a valu ensuite quelques remarques de la part de ses collègues du monde universitaire ? Alors, d'abord, ça m'a valu des remarques de mon éditeur, d'abord. Avant d'être publié, le livre a été passé au crible par les avocats de Gallimard, qui m'ont demandé des précisions sur tel ou tel personnage. Ça se fait de plus en plus aujourd'hui, et d'ailleurs vous savez qu'il y a même en ce moment encore, là, cet été, il y a encore un procès. Là. Donc les écrivains sont de plus en plus, à tort ou à raison là-dessus, je ne prononcerai pas pour l'instant en tout cas, les écrivains sont de plus en plus en but à ce genre de problème juridique. Donc effectivement, j'ai dans le livre un certain nombre de portraits d'universitaires,
comme je suis universitaire moi-même, je nous connais bien. Je crache un peu dans la soupe, hein, évidemment, mais c'est aussi pour lui donner du goût, parce que la soupe universitaire, de temps en temps, est assez fade. J'ai tendance à penser que j'ai été un peu sévère, j'ai eu la main un peu lourde sur les portraits d'universitaires que je fais dans le livre. Ceci dit, à chaque fois que je dis ça, je fais mon mea culpa, et puis tout de suite, il y a un événement, quelqu'un qui me téléphone, et tout d'un coup, ça revient, et je me dis finalement, c'est pas si inexact que ça, voilà. Et c'était une manière aussi de mettre un peu d'ironie mordante dans un livre qui traite de problèmes parfois assez graves et douloureux. Voilà. Absolument. C'est du mot. Enfin, je veux dire, c'est très drôle. Je peux me permettre de citer quelques. Ce ne sont pas des portraits vraiment, mais c'est plus le groupe. Ces intervenants du colloque, la conférence, je cite, des professionnels de la conférence, des pros de la parlotte, de la blablate, des cafards universitaires surmenés. Alors, un petit peu plus loin, on a aussi appelé en renfort tout ce que l'archipel compte de spécialistes périphériques, les omniscients de la francophonie, les dilatés de la créolité. Et plus bas, donc là, il y a trois professeurs japonais, alors Ikebana, Kaminoke et Nezumi. Ce sont les Gosanke, comme on les appelle, les chefs des trois clans, un vieux reste des triades chinoises. Je trouve ça très, très réjouissant, personnellement. C'est très agréable de lire ça, parce que c'est... Ayant un petit peu fréquenté le monde universitaire français, moi également, je dois dire qu'on s'y retrouve parfois. C'est très universel. Chacun a retrouvé son voisin, en fait. Moi, c'est ça qui m'a marqué, c'est que j'avais des réactions de collègues qui me disaient « Ah, voilà, tu l'as très bien croqué, là, c'est vraiment lui, je le reconnais, le professeur machin, le professeur truc. » Ils ne voyaient pas que dans la même page, il y avait un portrait de lui, quelques lignes plus loin. Et j'ajoute qu'il y a des autoportraits, c'est-à-dire qu'il y a un portrait, notamment, d'un professeur. C'est moi, je m'inclus aussi, vous voyez, c'est là où... C'est plus de l'humour que de l'ironie. L'ironie, on reste un peu. L'ironie a toujours une portée un peu moraliste, on reste un peu à l'extérieur. Là, quand même, je me mets en scène moi-même. Je suis professeur d'université, et comme tous les professeurs d'université, je le prouve en ce moment même. J'aime bien bavarder, vous voyez, je parle beaucoup. Donc voilà. Je voulais faire ce portrait collectif de l'université japonaise. Université japonaise, donc mondiale, hein, on verra, ils sont partout pareils. Aux États-Unis, c'est la même chose, en France aussi. Aussi parce que le roman, il me semble, l'univers littéraire a besoin comme ça d'un petit peu de sang frais, d'un petit peu de sang neuf. Il y a une façon de faire la littérature en France qui est un peu dans l'entre-soi parfois, c'est-à-dire les gens se connaissent. Donc il y a des pics. Vous savez, les gens du livre, comme on les appelle, quelquefois se lancent des petites pics discrètes d'un livre à l'autre. Et chacun se reconnaît, mais jamais rien n'est dit de manière trop franche. Alors voilà, de temps en temps, ça fait du bien de dire les choses un peu plus vertement. Un autre aspect, parce qu'on on est allé du côté réflexif, voire cinglant, parfois, et un peu vert de cet ouvrage, mais c'est aussi un ouvrage d'une très très grande sensualité. Dans lequel on trouve un portrait de Tokyo que j'ai trouvé exceptionnel. Pour ne pas connaître Tokyo, j'ai eu l'impression de m'y faire transporter, vraiment. Mais aussi un portrait de femme. Et enfin, et je pense que tout ça va ensemble, parce que on prend les mêmes biais, un appel au sens, au sensoriel, qui est constant et constamment mouvant. C'est-à-dire qu'on passe du goût aux odeurs, des odeurs au bruit d'une impasse la nuit, de celle-ci à la, à la nuque de cette femme qui anime l'émission de télévision en question. Est-ce que la sensualité, au sens large, fait partie des, on va dire, des moteurs, vu que c'est de toute manière un résultat, fait partie des moteurs de l'écriture au moment de la fabrication du roman? Ah, complètement. Complètement, il me semble même que la littérature a quelque chose à voir avec cette sensualité de manière très profonde. Je m'explique.
On vit aujourd'hui dans un monde où l'image est omniprésente. D'ailleurs, derrière moi, vous en avez une et on va en montrer tout à l'heure. Vous avez dans les bars de Tokyo, mais je suppose que c'est un peu la même chose dans beaucoup de pays, vous avez des écrans de télévision. Dans un bar, pour moi c'est une hérésie complète, dans un bar où on vient pour rencontrer des gens, discuter, vous avez un écran de télévision, il n'y a rien de pire qu'un écran de télévision pour empêcher les gens de discuter, tout le monde se focalise sur l'image et il n'y a plus de contact possible. Donc ce règne de l'image, il est omniprésent, je pense, dans une très très grande partie de la planète, et l'image agit comme un filtre. Il me semble que l'écriture, là, si l'écriture a un rôle, c'est justement de rappeler qu'un être humain n'est pas fait que d'images, de rapports visuels. Nous avons 5 sens, peut-être même quelques plus, et l'écriture est un art qui peut convoquer chacun de ces 5 sens. C'est-à-dire, avec l'écriture, on peut humer quelque chose. Avec les mots, on peut flairer, renifler quelque chose de manière parfois extraordinairement précise. Donc, la langue est un instrument qu'il faut travailler à la fois pour le goût, pour les sons. Évidemment, les grands peintres eux-mêmes le savent. C'est-à-dire que je parle des images. Quand je fais cette charge contre l'image, c'est une charge contre, disons, le marché mondialisé des images. Ces images qu'on nous impose à toute vitesse en zapping permanent, mais les grands peintres, eux, savent très bien qu'une image aussi peut faire réfléchir, peut faire écouter. Il y a un titre fameux de Paul Claudel, hein, « L'œil écoute ». Donc il y a une correspondance de tous les sens qui peut se faire grâce à l'art en général, grâce à l'écriture en particulier. Donc il faut de temps en temps savoir fermer les yeux. C'est un paradoxe, il faut fermer les yeux pour lire un livre. J'étais par exemple dans la mer intérieure du Japon. Il y a aujourd'hui un centre d'art contemporain à ciel ouvert où un mécène japonais qui s'appelle Fukutake a demandé à un architecte japonais très connu qui s'appelle Ando Tadao, qui a eu le prix, l'équivalent du prix Nobel d'architecture, de construire, donc plutôt de reprendre une vieille maison japonaise. Donc c'est une vieille maison japonaise. Vous entrez dans cette vieille maison japonaise qui a été reprise par Tadao Ando, et tout d'un coup, vous entrez dans le noir complet. Donc vous ne voyez absolument plus rien. À tel point que quelqu'un est obligé de vous guider pour vous faire asseoir sur un petit banc. Et là, petit à petit, dans cette vieille maison japonaise complètement noire, complètement obscure, complètement opaque, petit à petit, vos yeux, comme les yeux des chats, s'habituent à l'obscurité, et tout d'un coup, vous commencez à voir quelque chose. Une espèce de lueur laiteuse. Et petit à petit, vous pouvez vous lever et vous pouvez marcher dans ce lieu où vous croyez vraiment qu'au début, il n'y avait aucune possibilité de déambuler. Mais le mieux, c'est pas là. Le mieux, c'est quand vous sortez de cette maison noire. Et quand vous en sortez, tout d'un coup, vous retrouvez le monde extérieur, la lumière, et là, vous vous apercevez que ce que vous voyez, vous ne faites pas que le voir. Je m'explique. Quand je suis sorti de cette maison complètement noire, où mes yeux avaient travaillé énormément, tout d'un coup, la moindre feuille sur un arbre, le moindre tronc, les délinéations d'une feuille prenaient un relief extraordinaire. La couleur verte, je n'ai jamais senti des couleurs vertes aussi variées et aussi fortes. Et je me suis aperçu, à mon grand étonnement, que je respirais mieux. C'est-à-dire que tout d'un coup, le fait de retrouver une vraie vue, pas une vue aplatie par les images de télévision, mais une vraie vue avec de la lumière, des rayons, du soleil, me faisait retravailler tous les autres sens. Il y a 2-3 jours, nous sommes allés avec Olivier Litvine à Auroville, et alors nous avons vu je ne sais plus comment on l'appelle, cette espèce de matin. Quand je suis ressorti du matin, cette énorme boule de golf, tout d'un coup, j'ai eu exactement la même sensation. C'est-à-dire, à partir du moment où vous êtes dans une bulle, où vous arrivez à une espèce de méditation, il me semble que c'était le but de cet endroit, de cet espace, quand vous en ressortez, tout d'un coup, vos sens sont aiguisés, et non seulement vous sentez mieux les choses, mais évidemment, puisque vous les sentez mieux, vous réfléchissez mieux, et vous analysez de manière beaucoup plus vive, de manière beaucoup plus alerte. Donc il me semble qu'il y a dans l'art, dans une belle œuvre d'art, si vous voulez, une œuvre d'art qui
qui correspond vraiment à ce que je voudrais faire, c'est une œuvre d'art comme ça, dans laquelle on est pris, enfermé, comme dans une cave, mais qui en même temps, tout d'un coup, lorsque vous acceptez de vous y trouver confronté, vous permet de sortir à la fin avec une perception plus aiguisée. Et du coup, je rebondis à la fois sur une expression que vous venez d'employer, qui est celle de fermer les yeux un temps pour pouvoir ensuite à la fois percevoir et exprimer, et sur le domaine de la perception, parce que c'est un moteur clair dans Sympathie pour le fantôme, mais c'est aussi une problématique générale pour un autre ouvrage dont on va parler tout à l'heure, qui est Fukushima, ce thème de la perception. Et justement, dernière question me concernant, je voulais savoir comment s'articule d'un côté cette grande attention au monde, cette perception très aiguë, et de l'autre, cette nécessité, en tant qu'écrivain, qui est un dilemme bien connu, tout le temps que je passe à dire le monde, je ne le passe pas à le regarder. Il y a toujours ce balancement entre le moment où je perçois et le moment où j'exprime. Comment ça s'articule au quotidien? Est-ce que c'est une discipline régulière? Est-ce qu'on saisit le moindre moment? Alors, on a des indices dans les ouvrages en question, mais... Alors, pour ce qui est le moment d'écriture, on peut écrire à n'importe quel moment. Moi, j'aime bien le matin. Je trouve que le matin, il y a... Le matin ou très tard la nuit? Alors, vous me direz, ça revient au même. Si vous arrivez très très tard la nuit, vous arrivez au matin, justement. Mais je trouve que, voilà, dans le matin, il y a une espèce de... C'est plus clair le matin. Il y a une espèce de cristal de l'expérience, pour moi en tout cas, à l'aube. Le premier livre que j'ai écrit s'appelle Tokyo, petit portrait de l'aube. Et effectivement, je trouve que même dans les relations humaines, lorsque vous passez la nuit avec quelqu'un à discuter, à boire, à converser, à échanger, il y a toujours ce moment du matin, ce moment de l'aube, où tout d'un coup, il y a quelque chose qui se défait et on aperçoit ce qui est de l'ordre d'une vérité. Une vérité qui peut être éphémère, qui peut s'évanouir très rapidement, mais il y a toujours un moment où il y a un point, voilà. Comme on dit en français que l'aube poind. Il y a le verbe poindre, mais il y a l'idée d'une tête d'épingle, voilà. Tout d'un coup, il y a quelque chose de très ténu, de très fin, mais où il se passe énormément de choses. À Tokyo, nous avons des ruelles entières avec des bars qui sont fréquentés jusqu'à 5-6 heures du matin. Et si vous allez à Tokyo, vous allez voir qu'il y a des bars extraordinairement petits. Des bars comme des mouchoirs de poche, des bars vraiment où on entre à 3 ou 4. Et il me semble que cette espèce de concentration, de réduction, où on est obligé de se faire tout petit, où son corps même est obligé de se plier à un espace physique, finalement, au bout du compte, ça amène une forme de libération. Et le saké japonais, l'alcool japonais qu'on appelle saké, qui est un alcool de riz, est fait avec des grains de riz. Et le meilleur saké, il y a beaucoup de choses qui comptent pour la confection d'un très bon saké. Il faut une eau de très grande qualité, une eau très pure, mais aussi la qualité du riz, et notamment, on enlève l'écorce du riz, et plus on garde le cœur du riz, l'endroit le plus moelleux, le plus sensible, le plus tendre du riz, plus vous gardez cette partie-là, vous enlevez l'écorce, et plus vous allez vers le cœur, et plus votre saké sera goûtu, sera meilleur, sera puissant, sera... fournira une sensibilité magnifique. Alors, j'aime beaucoup cette idée-là d'aller travailler jusqu'au cœur, et finalement, c'est ça que j'essaye de faire quand je burine, je grappe, et j'essaye d'aller le plus loin possible. Son flagornerie, c'est réussi. et s'agissant, alors peut-être si on... Moi, j'ai terminé concernant... S'agissant de Fukushima, donc c'est un autre ouvrage complètement différent, mais dans lequel des lignes de force qui sont finalement les obsessions d'un écrivain se retrouvent. La perception devient complètement problématique et finalement presque au centre de cet ouvrage. Alors Fukushima, au début, quand Fukushima m'est tombé dessus, parce que ça m'est vraiment tombé dessus, j'étais à Tokyo le 11 mars 2011, et le tremblement de terre a eu lieu. Tremblement de terre 9 et quelques sur l'échelle de Richter,
depuis que les instruments de mesure moderne existent, c'était le quatrième plus puissant tremblement de terre jamais enregistré. C'était quelque chose d'époustouflant. Juste après, moins d'une heure après, on a eu le tsunami, que, évidemment, Dieu merci, je n'ai pas vécu, sinon je ne serais pas là pour vous le raconter d'ailleurs. Le tsunami qui a emporté 19 000 personnes, donc 19 000 morts. Et enfin, last but not least, la catastrophe nucléaire, c'est-à-dire 4 explosions dans la centrale nucléaire de Fukushima, une qui est encore inexpliquée jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, et cette espèce de contamination nucléaire qui n'est toujours pas terminée. Hein, à l'heure où je vous parle, Fukushima en tant que catastrophe nucléaire continue. C'est une catastrophe qui n'est pas du tout terminée, qui n'est pas du tout maîtrisée. On aura peut-être l'occasion d'en parler tout à l'heure, mais c'est ce que j'appelle une catastrophe continuée, et qui va continuer encore pour quelques dizaines d'années, si ce n'est plus. Donc voilà, donc moi je suis à Tokyo à ce moment-là. Qu'est-ce que je peux faire? Pas grand-chose, je sais faire une chose dans ma vie, c'est écrire. Donc je monte avec une amie dans une camionnette, et on charge la camionnette de vivres, d'eau, beaucoup d'eau, des vêtements, des instant ramen, c'est-à-dire des soupes instantanées. Parce qu'à l'époque, il y avait... Les Japonais ont été très rapides dans certaines réactions, en tout cas, pas dans toutes, mais il y avait déjà sur Internet une carte des refuges. Les gens étaient réfugiés, donc le plus loin possible de la côte. Et il y avait sur Internet une carte assez artisanale, mais quand même, où on voyait quels étaient les refuges qui avaient besoin d'eau, quels étaient les refuges qui avaient besoin de vêtements, etc., etc. Donc on charge la camionnette, on monte là-haut. On croyait se rendre utile. En fait, cette aide a été assez dérisoire parce qu'on s'est vite rendu compte qu'on savait où étaient les refuges, mais pour y accéder, c'était tout un problème. Par exemple, on avait un système de GPS par satellite qui nous disait, alors il y avait la petite voix japonaise féminine qui nous disait au prochain tournant, quand vous voyez la banque Mizuho, vous tournez à droite, au prochain carrefour, vous tournez à gauche. Mais il n'y avait plus ni de banque, ni de carrefour, ni de route, ni de rien. Il n'y avait même plus ni droite ni gauche. On était sur un espace complètement arasé par le tsunami. Donc finalement, on a trouvé quelques refuges, mais je dois dire que l'aide qu'on a apportée était dérisoire. En revanche, j'ai eu l'impression de me rendre un tout petit peu plus utile en prenant des notes. En prenant de nombreuses notes, et finalement, après, en écrivant ce livre qui s'appelle Fukushima, récit d'un désastre, qui s'appelait normalement au début Notes de Fukushima. D'ailleurs, dans l'édition japonaise, on a remis le titre original Notes de Fukushima. Alors, si vous le voulez bien, je vais vous présenter peut-être avec des images pour avoir un aperçu de ce que nous appelons Fukushima. Fukushima, c'est dans le Tohoku. Tohoku, ça veut dire le nord-est du pays. Donc c'est environ à 250 km de Tokyo, au nord-est. Alors c'est une région, comme vous le voyez, magnifique. C'est une région, ce qu'on appelle, les géographes appellent ça des RIA, c'est-à-dire c'est des côtes très échancrées. Si vous voulez un point de comparaison avec la France, c'est la Bretagne, par exemple. Donc ce sont une espèce de dentelle comme ça, avec des petites plages, avec des falaises. Et évidemment, ça fait la beauté de la région, mais ça fait aussi la dangerosité du tsunami, parce que le tsunami, lorsqu'il arrive sur ce genre de côte, le tsunami peut, dans ses anfractuosités, dans ses reliefs très découpés, le tsunami peut aller à des hauteurs incroyables. Le tsunami a été environ de 15 mètres sur la centrale de Fukushima, mais il est arrivé jusqu'à 43 mètres dans certains coins du nord-est, du Tohoku. C'est un endroit qui était très connu, notamment depuis le XVIIe siècle. C'était l'endroit où les poètes de haïku allaient en pèlerinage pour écrire leur haïku. C'est-à-dire les haïku, c'est un poème japonais. Donc, parce que le pays est magnifique, comme vous le voyez ici, donc il y a des plages, il y a des falaises, des rochers. Il y a aussi beaucoup de forêts. 70% du territoire du Tohoku, c'est des forêts.
ce qui aujourd'hui pose un problème particulier pour la contamination radioactive, parce qu'on essaye de décontaminer le territoire du Tohoku, mais la radioactivité, c'est quelque chose qui bouge, qui se déplace en fonction du vent, en fonction des pluies, et notamment lorsque la radioactivité frappe une forêt, on avait déjà eu le phénomène à Tchernobyl, on l'a de nouveau dans le Tohoku, la radioactivité se dépose sur la canopée, c'est-à-dire sur le dessus de la forêt, et ensuite la radioactivité descend petit à petit, progressivement, pendant 2, 3, 4 ans, et lorsqu'elle arrive au sol, elle recontamine le sol, et elle recontamine non seulement le sol, mais elle recontamine aussi les animaux qui mangent des baies, les cochons, les sangliers, les oiseaux. Et s'il y a un incendie, par exemple, le feu remet en circulation des particules radioactives qui vont porter la radioactivité un peu plus loin. Alors, voilà la route. Alors ça, c'est donc avril, oui, c'est ça, non, fin mars 2011. La route du Tohoku telle que je l'ai empruntée donc avec la camionnette. Donc vous voyez, à droite et à gauche, là, il y avait une ville. Hein. Il y avait des villes, des villages, mais aussi des villes de 15 000, 20 000 habitants, parfois complètement rasées, parfois il restait deux, trois petites maisons, avec des bateaux comme celui que vous voyez à droite. Les bateaux ont été emportés pour certains d'entre eux jusqu'à 10 km à l'intérieur des terres. Donc c'était vraiment un paysage de désolation que vous voyez encore ici. Alors ici, on est assez loin de la côte, hein. On est du côté de Sendai, on doit être à 8-9 km de la côte. Vous vous souvenez peut-être, ou si vous ne vous en souvenez pas, vous trouverez sur Internet des images de l'aéroport de Sendai, où on voit l'eau arriver sur les avions et emporter tous les avions qui étaient dans les hangars. Alors voilà, on avait comme ça des paysages un peu surréalistes. Hein. Ici, vous avez une publicité sur un grand, sur un conteneur, une citerne, hein, qui se balade comme ça en plein milieu d'une ville. Alors vous voyez la taille de cette citerne, vous imaginez la force du courant, la force du tsunami pour l'emmener ici jusqu'au milieu de la ville. Alors voilà, là j'ai pris une photo où j'ai gardé donc ma compagne de l'époque, qui est ici tout en bleu, pour montrer l'échelle. Donc voilà, ça c'est un. Là il y avait le village de Minamisoma, qui a été complètement emporté par la vague. Et on voit bien ici, donc avec l'échelle humaine, quelle est l'étendue du désastre, l'étendue des dégâts. Et là, l'eau que vous voyez, bien sûr, c'est l'eau de la mer qui est restée. Un tsunami, ça vient de la mer et ça y retourne. C'est-à-dire que quand vous marchez sur un paysage de tsunami, vous marchez sur des coquillages, sur des coraux, sur, vous voyez des arêtes de poissons, vous voyez vous avez tout ce qui vient de la mer et qui ensuite y retourne. Voilà un bus. Donc là aussi, pareil, j'insiste, hein, ce n'est pas un lac, c'est vraiment un village, mais le tsunami est passé, et donc là on est quelques semaines, même pas quelques jours après le désastre, et on a encore ce genre de lac artificiel finalement créé par le tsunami. Ici c'est plus tard, là les Japonais avaient déjà commencé à remblayer et à nettoyer, alors vous voyez des petits fanions, à droite et à gauche. Alors vous aviez des couleurs pour chaque drapeau. Il y avait donc, je ne me souviens plus de la signification des couleurs, mais disons que pour un drapeau rouge, c'était à enlever complètement. Un drapeau vert, c'était à vérifier s'il n'y avait pas trop de substances toxiques. Un drapeau jaune, c'était il y a encore des choses qu'on peut sauver là-dedans, etc., etc. Donc c'était de manière assez admirable. Les Japonais ont commencé à déblayer et à organiser, à reclasser. Après ce gigantesque chaos, à reclasser un peu à essayer de refaire un paysage humain. Et vous voyez que je porte un masque parce que, comme je le disais tout à l'heure, il y avait énormément, non seulement on avait peur de la radioactivité, des particules radioactives, mais également il y avait beaucoup de produits toxiques, comme de l'amiante par exemple, qui avaient été mis en circulation avec la destruction des immeubles. Ça, c'est une photo plus ancienne. Là, c'est vraiment mars. C'est-à-dire, il ne faut pas oublier non plus que ce tremblement de terre a eu lieu en hiver. Et le Japon, vous le savez, est un pays avec des personnes âgées, beaucoup de personnes âgées.
Et il y a beaucoup de gens qui sont morts, non pas du tremblement de terre, ni même du tsunami, mais qui sont morts ensuite de froid, des privations engendrées par la catastrophe. Ah, ici, voilà, on montait sur les hauteurs pour dormir, parce qu'évidemment, on avait toujours peur d'une réplique. Une réplique, c'est un petit séisme. Ça peut faire beaucoup de dégâts. Ce sont des séismes secondaires qui ont lieu après le grand séisme. Et on avait peur surtout d'un autre tsunami. Le tsunami arrive extraordinairement vite. Hein. Je donne les chiffres dans Fukushima, récit d'un désastre. Un tsunami, ça arrive vraiment... quand il arrive sur la côte même, hein, sur la plage, c'est à peu près 30-40 km/h. C'est-à-dire quand vous voyez un tsunami arriver, vous êtes déjà mort. Si vous le voyez, c'est que vous êtes mort. Donc on craignait beaucoup cela et on montait donc la nuit, là c'est une photo qui a été prise le matin, on montait donc dans les hauteurs, comme ont fait exactement les Japonais, pour échapper au tsunami, il fallait monter le plus haut possible. Et d'en haut, j'ai pris cette photo panoramique qui montre donc la ville ravagée. Et toutes ces maisons-là, on ne les voit pas d'ici, mais on va le voir dans les photos suivantes, toutes ces maisons, en fait, la vague est entrée au rez-de-chaussée. Et parfois, la maison est encore debout, mais le rez-de-chaussée est dévasté. De toute façon, donc, il faudra détruire la maison. Voilà. Voilà un exemple ici. Donc, c'est ce que j'ai appelé les maisons en champignons, parce que vous avez le toit, vous avez encore même une vague structure, mais qu'en fait, bien sûr, il est complètement impossible de vivre dans ce genre d'endroit. Il y avait aussi tout un amoncellement de matières diverses, du bois, du fer, du cuivre, des poteaux électriques qui étaient plantés n'importe comment. Enfin, c'est vraiment une image assez désolante du chaos. Et dans ce chaos, donc, des hommes qui essayent de faire de la place, qui essayent aussi de récupérer des corps, hein, tous ces endroits dévastés. Et il y avait des gens qui étaient morts, qui était resté coincé dans des maisons, qui était mort noyé. Bon. Donc voilà, là d'ailleurs, ce sont des gens qui emmènent des corps. Avec toujours les bateaux, ça c'est très impressionnant, les bateaux en plein milieu de la ville. Ça c'est un petit peu après, c'est des gens qui reviennent pour chercher pour chercher quoi ? Pour chercher une photo, pour chercher une trace, pour chercher un vestige. Parce qu'il y a eu beaucoup d'incertitudes, évidemment, il y a eu... En tout, maintenant, on sait qu'il y a eu 19 000 morts environ, mais dans ces 19 000 morts, on compte les disparus, parce qu'on sait très bien que ces gens disparus sont morts également. Donc voilà, les gens venaient, et ils amenaient avec eux souvent des moines bouddhistes, pour faire une petite prière, et puis ils essayaient de trouver quelque chose. Alors même la photo d'un voisin, tout d'un coup, prenait un relief, prenait une importance extraordinaire, parce que quand vous avez tout perdu comme ça, comme ces gens, même de retrouver la photo d'un voisin, c'était quelque chose d'émouvant, et de... ça vous raccrochait à quelque chose de votre vie perdue. Alors ici, c'est donc toujours la côte, et vous voyez, là vous avez un barrage, et c'est marqué en japonais « défense d'entrée ». Donc là, nous sommes vraiment aux abords du territoire le plus contaminé, c'est-à-dire ce qu'on appelait déjà à l'époque la zone interdite. 8% du territoire japonais a été contaminé, 8%, hein, c'est énorme. Et donc, alors il y avait ces barrières, évidemment, vous pouvez les passer comme vous voulez, hein, mais à partir de là, normalement, ça commence à devenir quand même assez dangereux. Ça, c'est une photo que j'aime bien parce qu'elle dit beaucoup de choses, je trouve, c'est le moment où la route ne mène plus nulle part. Voilà, c'est une route qui a été un chemin qui ne mène nulle part. Et il y en avait beaucoup des comme ça dans le Tohoku. Donc voilà aujourd'hui, enfin depuis 2012, ça a un petit peu changé, mais pas tellement, le nouveau zonage qui a été établi. En rouge, vous voyez ce cercle rouge, ce cordon écarlate, ça c'est toute la zone interdite. C'est-à-dire que là, on n'a pas le droit d'entrer, pas du tout. Elle est trop contaminée, avec des villes, hein, des villes entières qui sont prises dans ce cercle. Hein, Namie, Futaba, Okuma, Tomioka sont aujourd'hui des villes fantômes. Il n'y a plus personne. On n'a pas le droit d'y aller, et quand on y va, on voit des choses épouvantables, on voit vraiment des villes fantômes, c'est-à-dire les
les grandes maisons japonaises sont vides, avec des toiles d'araignée partout, les animaux reprennent les lieux. C'est quelque chose d'assez, d'assez vertigineux. Autour, vous avez plusieurs couleurs. Alors ce zonage-là est un zonage, à mon avis, complètement aberrant, c'est-à-dire qu'en fait, le gouvernement japonais veut que les gens reviennent le plus vite possible. Donc, par exemple, dans les zones en vert, ce sont des zones où on a le droit de travailler, on est même encouragé à reprendre des activités, mais on n'a pas le droit de dormir, pour ne pas prendre trop de doses quand même. C'est-à-dire qu'en fait, on autorise les gens à venir travailler, mais pas à habiter. Ça en dit long, d'ailleurs, sur l'échelle des valeurs et sur la mentalité complètement capitaliste dure hein, qui règne, où après le désastre, on exploite encore le désastre. Ensuite, alors ça, c'est la route interdite, donc vers Futaba, vers Katsurao, vers, voilà un village fantôme japonais, une ville fantôme, hein, ce sont des villes, certaines avec plusieurs dizaines de milliers d'habitants, hein, qui sont aujourd'hui complètement abandonnés. Je le décris un petit peu dans Fukushima, récit d'un désastre. Hein, je fais des descriptions de ces villes qui sont, qui sont assez flippantes, qui font peur. Vous croisez parfois des chiens qui sont en train de redevenir sauvages. Donc des chiens mi-domestiques, mi-sauvages, c'est le regard qu'ils vous lancent, c'est très étrange. Hein. C'est plus des animaux domestiques et ils viennent en meute comme ça. Au Japon, il y a une mode des petto, les animaux de compagnie. Mais là, c'est pas des petto, hein. C'est pas des animaux de compagnie, c'est des chiens qui peuvent même devenir assez, assez méchants. Pardon. Et vous croisez des chiens, mais vous croisez aussi une autruche. Une autruche, pourquoi une autruche? Parce que c'est évidemment, il y avait des zoos, il y avait des aquariums, il y avait des fermes, donc vous croisez des tas d'animaux comme ça qui ont survécu et qui se baladent comme ça de manière nocturne ou diurne. Alors celle-là, elle est assez connue, là je l'ai chopée au vol, là, si je puis dire. L'autruche, c'est bien, ça permet d'illustrer aussi toute la politique du nucléaire. C'est une politique de l'autruche, évidemment, on fait semblant de ne rien voir. Et voilà ce que ça donne. Donc ça donne quand même des scènes assez belles en plus, hein, poétiques, mais en même temps inquiétantes. Alors ici, la photo n'est pas de moi, elle est de Kim Kyung-hoon, qui est un photographe sud-coréen. J'adore cette photo, je la trouve extraordinairement parlante, éloquente. C'est juste après donc, les explosions, enfin une semaine après. L'engin que vous voyez dans la main bleutée, là, dans la main gantée de bleu, c'est ce qu'on appelle un dosimètre, c'est-à-dire pour vérifier le nombre de radiations, enfin, que vous avez dans, le nombre de doses que vous avez eues dans le corps. Et évidemment, on le passait sur les femmes, les enfants. Ben, évidemment, il y a un côté contrôle de police. Et c'est terrifiant parce que ces dosimètres sont aujourd'hui devenus monnaie courante à Fukushima, dans toute la région de Fukushima, c'est-à-dire qu'on voit des enfants qui jouent avec des dosimètres. Le dosimètre fait déjà partie de leur vie. Dosimètre, si vous voulez, c'est ce qu'on appelait avant les compteurs GIGR, pour mesurer les doses de radioactivité. Il y a des gens qui, et même les jeunes femmes qui s'en servent comme pendentifs, accessoires. Donc c'est en train vraiment de rentrer dans la vie quotidienne des gens. Alors ça, c'est le film que Watanabe Kenichi, qui est un cinéaste japonais, a réalisé, dont j'ai écrit le texte, un film qui s'appelle Le Monde après Fukushima. Si ça vous intéresse, je pense qu'il est, malgré les récriminations de Arte, qui est le producteur du film, le film est vous pouvez le voir sur YouTube et sur Dailymotion et sur d'autres moteurs de recherche, vous tapez Le Monde après Fukushima documentaire et vous pouvez voir ce film qui est en distribution libre sur Internet, et heureusement, parce que c'est à mon avis un des films qui permet le mieux de cerner ce qu'est... Alors moi, j'étais pas d'accord avec le titre « Le monde après Fukushima », je trouve que ça n'a aucun sens de dire que nous vivons dans un monde après Fukushima, nous vivons dans un monde avec Fukushima, puisque Fukushima n'est pas terminé. Mais bon, là encore, Arte a choisi de garder ce titre qui est plus simple, plus facile à retenir peut-être.
Et donc, c'est un ensemble d'entretiens que nous avons eus et aussi un reportage que nous avons fait dans la région, où vous avez des grandes paroles. Hein, on a interviewé le prix Nobel de littérature, Koei Kanzaburo, qui est une figure historique de la lutte antinucléaire au Japon. On a interviewé aussi le premier ministre de l'époque, Naoto Kan, qui a géré la crise nucléaire, qui nous a fait d'ailleurs à cette occasion la révélation que Tokyo a failli être évacué. C'était vraiment... ils ont hésité jusqu'au dernier moment, et puis finalement, en regardant les vents, tout s'est joué à une question de vent et de kilométrage heure. Les vents poussaient la radioactivité vers l'océan, vers les poissons. Et donc, Naoto Kan, qui avait pensé, il nous le dit dans le film en exclusivité, il avait pensé faire évacuer Tokyo. Tokyo, c'est entre 20 et 30 millions d'habitants, quoi. Donc, vous imaginez l'évacuation de Tokyo, qui en plus aurait coupé le Japon en deux et aurait eu un effet dévastateur, je pense, sur les bourses, sur les marchés mondiaux. Ça s'est joué vraiment... vous écouterez l'interview de Naoto Kan dans le film. Mais nous avons aussi tenu à interviewer des gens qui ne sont pas du tout connus, des gens qui travaillent, des paysans, des pêcheurs. Il y a une scène de pêche qui est abominable, qui est très impressionnante, où des gens pêchent des poissons contaminés, les remettent ensuite dans la mer. Et nous avons également interviewé beaucoup de femmes, parce que la résistance, en fait, là-haut, dans le Tohoku, la résistance passe beaucoup par les femmes, qui sont les premières à refuser cette situation et à se révolter. Les hommes sont beaucoup plus mous. Donc voilà. Dernière chose, vous avez aussi un site internet qui est le mien. Si vous voulez avoir plus de renseignements, non seulement sur Fukushima, mais sur les autres livres que j'ai écrits ou que je suis en train d'écrire. Et puis, le livre Fukushima, récit d'un désastre, qui est paru désormais en édition de poche. Et j'ai choisi de terminer quand même avec une image un peu plus réjouissante. C'est un très vieux cerisier, les gens disent qu'il date du XVIIIe siècle, qui a fleuri après le désastre. Donc ça, c'est en printemps 2011, mais le triple désastre a eu lieu en mars, le 11 mars. Ça, c'est donc la floraison des cerisiers, c'est en mai, et les gens étaient, comment dire, il y avait quelque chose d'extraordinairement bouleversant à voir ces gens se réunir, se regrouper autour d'un très vieil arbre, complètement, vous voyez, voûté, on est obligé de lui mettre des étais, des petits morceaux de bois pour le soutenir, mais il a fleuri. Il a fleuri, et vous voyez la floraison du cerisier japonais, c'est quelque chose, hein, c'est impressionnant, c'est la vie qui revient. Et là, il y avait quelque chose, oui, de bouleversant à voir tous ces gens qui se pressaient comme pour une communion avec la nature. La nature est évidemment menacée, puisque ce cerisier, comme beaucoup d'arbres désormais dans la région de Fukushima, est radioactif. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Moi j'ai une question. C'était hier le 70e anniversaire du bombardement atomique d'Hiroshima. Le 9, ce sera la même chose pour Nagasaki. C'est une double question. Quel lien a été fait par les Japonais entre ces deux événements, s'il a été fait, et comment? Et d'autre part, je suppose que des gens qui ont reçu des doses assez importantes de radioactivité, de césium, ceci et cela, sont encore vivants et sont présents dans la société japonaise. Quelle est l'attitude de la société japonaise à leur égard? Alors pour la première question, le rapport entre Hiroshima et Fukushima, il est souvent dénié, c'est-à-dire que le plus souvent on dit que, et on a raison d'une certaine manière, on dit que Hiroshima est un acte de guerre, on a largué une bombe sur un pays belligérant, un pays avec qui on était en guerre, alors que Fukushima est un accident, une catastrophe nucléaire, donc il n'y a rien d'intentionnel là-dedans. Donc souvent on prend soin de
dissocier les deux événements, à mon avis, a raison encore une fois, parce qu'il faut, il faut apprendre à analyser chaque chose dans son contexte. Maintenant, il y a quelque chose du déni, quelque chose du déni qui entre dans cette dissociation, parce que finalement, à Hiroshima et à Fukushima, on retrouve quand même un noyau, c'est le cas de le dire, qui est l'atome, qui est le rapport que nous avons avec l'atome. Et ce rapport avec l'atome, il est très compliqué parce que l'énergie nucléaire, l'énergie atomique est quelque chose qui est censé apporter le progrès, et ça a été enfanté dans la douleur, dans la mort et dans le militaire. C'est une arme d'abord avant d'être quoi que ce soit d'autre. Donc il y a ce lien d'abord entre nucléaire civil et nucléaire militaire qui, alors là, en France notamment, n'est jamais mis en avant. Alors que tous les gens qui connaissent le nucléaire vous diront que l'industrie nucléaire civile et l'industrie nucléaire militaire travaillent main dans la main, tout simplement parce que l'industrie nucléaire militaire a besoin des produits de l'industrie nucléaire civile pour faire ses bombes. Donc c'est deux choses, deux univers qui ne sont pas du tout séparés. Et là-dessus, il y a une grande opacité en France comme dans beaucoup d'autres pays, et qui explique donc qu'on dissocie deux choses qui finalement peuvent être accordées. La deuxième question, c'était sur le rapport aujourd'hui des Japonais. Alors, les Japonais, il y a 120 millions d'habitants, donc il y a des expressions, des opinions très variées, très diverses. Majoritairement, toutes les enquêtes d'opinion montrent que les Japonais sont contre désormais le nucléaire. En même temps, ils ont élu aux dernières élections un gouvernement qui était pour. Alors ça, ça fait partie des contradictions, des paradoxes. Mais il faut savoir aussi qu'au Japon, la gestion de ces centrales nucléaires, il y a évidemment une gestion nationale, mais beaucoup de choses sont décidées au niveau local. Donc en fonction de la réaction des populations dans tel ou tel endroit, en fonction de la mobilisation citoyenne, en fonction aussi du rapport et du degré d'indépendance par rapport au nucléaire qu'ont chacune de ces régions, parce que le nucléaire nourrit quand même, fournit énormément d'énergie et d'argent à certaines de ces régions depuis très longtemps. Donc il y a une espèce de mosaïque, il y a une espèce de puzzle avec des opinions très... disons, une opinion générale qui est contre, soit très nettement, très clairement, et dès qu'on entre un peu dans le détail, ça devient plus compliqué parce qu'après il y a des problèmes de chômage, il y a des problèmes de ressources, il y a des problèmes de financement, il y a des problèmes économiques qui se mettent en place, qui compliquent évidemment la vision d'ensemble. Et ma question portait aussi sur les gens qui ont été irradiés, sur l'attitude. Alors les gens qui ont été irradiés, d'abord il y a deux choses. Il y a l'irradiation elle-même. Et il y a la contamination, c'est pas la même chose. L'irradiation, c'est quand vous avez une centrale qui explose, ça produit des radiations. La contamination, ce sont des particules qui volettent dans les airs, et ça, c'est beaucoup plus dangereux parce que ça peut, par exemple, si ça se dépose, si vous en inhalez une, vous en respirez une, ça se dépose quelque part près des poumons, et ça continue, la radioactivité, ça pulse. Et ça continue pendant un an, deux ans, trois ans, cinq ans, dix ans, et un jour, vous avez un cancer. Vous voyez ? Donc la contamination est finalement beaucoup plus dangereuse que l'irradiation elle-même, qui peut être massive, mais qui est instantanée, momentanée. Donc il y a aujourd'hui des contrôles qui sont faits, notamment sur la nourriture. Alors ce sont des choses assez simples et physiques, si vous voulez. Par exemple, une laitue, plus les feuilles de la laitue sont grandes, et plus vous avez de la chance que vous avez un risque que la laitue soit radioactive, parce que la feuille de laitue offre plus de prise au dépôt des particules radioactives. Les champignons, c'est l'horreur, parce que les champignons, c'est de l'eau et de la terre, quoi, avec une membrane. Donc là, ça se conjure comme pas possible, ça attire tous les radionucléides. Bref, vous avez comme ça des poissons. Les poissons, c'est terrible, parce que les poissons, en plus, sont intraçables. C'est-à-dire on peut essayer de faire la traçabilité alimentaire, savoir d'où viennent les aliments, quand est-ce qu'ils ont été cultivés, dans quelles conditions, etc. etc. Mais un poisson, les experts ne savent même pas le nom, enfin, la
la direction de tous les courants du monde. Donc un poisson, par définition, ça échappe toujours, ça bifurque. Donc voilà, donc il y a une situation extraordinairement complexe, à mon avis insoluble d'ailleurs. Hein. On pourra avancer, on pourra progresser dans le contrôle, dans la décontamination de certaines zones, etc. Mais le mal est fait, de toute façon. C'est-à-dire que, en tout ce qui concerne le nucléaire, je pense qu'il faut vraiment prendre les choses très en amont, parce qu'une fois que ça a pété, une fois qu'il y a eu un accident, après, franchement, vous pouvez... on peut essayer plein de choses. Hein. En ce moment, ils sont en train de construire quand même, rendez-vous compte, un mur de glace souterrain, sous la centrale de Fukushima. Ils font des essais de murs de glace souterrain afin d'éviter que les eaux usées radioactives qui ont servi à nettoyer la centrale ne se propagent dans la mer qui est toute proche, dans l'océan qui est tout proche. Donc on en est à des espèces de scénarios de science-fiction, mais bien réels. C'est-à-dire que ce mur de glace, il n'existe pas, mais il y a eu des essais, on essaye de le faire. De la même manière, si il y a 5 ans, je vous avais dit... les enfants de Fukushima porteront un dosimètre pour aller à l'école et seront soumis à un contrôle permanent jusqu'à la fin de leur vie. Vous m'auriez dit, c'est un très beau sujet de roman de science-fiction, mais c'est la réalité de tous les jours à Fukushima. Donc voilà, il s'agit de bien prendre conscience de ça et ensuite d'essayer de... Là, le travail de l'écrivain, pour reprendre une question de Nicolas tout à l'heure, Il y a aussi un travail d'alerte, c'est-à-dire, quand on a vécu ça, on ne peut pas, à mon avis, rester silencieux. Alors après, il faut savoir comment dire les choses, le plus exactement, le plus justement possible. Il ne s'agit pas de dénoncer, je dis toujours qu'il ne s'agit pas de faire des polémiques sur les bons côtés et les mauvais côtés du nucléaire. Je veux dire, le nucléaire est quelque chose de suffisamment grave pour, à mon avis, faire disparaître la structure ami-ennemi. Je pense qu'une fois qu'on a compris ce que c'est que cette énergie, il y a évidemment des mesures à prendre et des mesures le plus rapidement possible. On ne sait pas encore où aura lieu le prochain accident nucléaire, mais on sait qu'il aura lieu. Parce qu'une centrale nucléaire, c'est une usine. Une usine vieillie, surtout... les forces de l'énergie nucléaire, ça, c'est pas rien, hein. Ça fait vieillir une usine de manière rapide. Je voyais par exemple que l'usine de la centrale de Kalpakam, c'est ça ? La centrale de Kalpakam, moi, ça me fait froid dans le dos, parce que c'est à quoi, 60-80 km de Chennai. Vous avez combien de millions d'habitants à Chennai ? 10, 12 ? Beaucoup. Beaucoup, ouais. Mais je suis sérieux, 80 km, c'est un coup de vent, ça y est, hein, fini. Hein. Et alors après, vous allez avoir les zones concentriques, mais la radioactivité, ça ne suit pas la zone concentrique. Hein, ça va tout de suite très vite, très loin. Il y en a qui auront de la chance, qui sont épargnés, mais en fonction du relief, en fonction des pluies, en fonction d'un rocher qui se trouve là et qui est bien placé, qui vous épargne. Mais non, c'est un vrai problème de société sur lequel on ne communique pas beaucoup. Et quand on communique, souvent on le fait soit de manière un peu hystérique, il y a des gens qui s'excitent beaucoup là-dessus, à mon avis il n'y a pas besoin de s'exciter, il suffit de dire les choses clairement, et quand on est intelligent on comprend, ou alors il y a cette espèce de ton doucereux et atone des partisans de l'énergie atomique qui est insupportable parce que nous avons suffisamment d'éléments maintenant pour comprendre quel est le danger réel. Et après, on a déjà eu beaucoup d'exemples par le passé. Fukushima n'est qu'une étape dans un processus de vieillissement des centrales nucléaires dans le monde entier. Celle de Kalpakam, elle est de 82, 85. Bon, c'est des centrales qui ont 30 ans, une usine, ça vieillit, et une usine nucléaire, ça vieillit. Non seulement ça vieillit, mais on ne règle pas le problème avec une soudure. Voilà. Je voudrais revenir sur une notion qui a été abordée, qui est celle de la guerre, et que je voudrais aborder sous l'angle peut-être de la métaphore, quoique pour certains ça n'en soit pas une. Dans les témoignages qui avaient été recueillis par Svetlana Alexievitch à propos de Tchernobyl, c'est un terme qui revenait constamment dans la bouche des gens qui avaient vécu l'accident de Tchernobyl. Une guerre, mais une guerre absolument
différente de toutes celles qu'ils avaient connues jusqu'alors, puisqu'elle se fait contre un ennemi invisible, imprévisible, inodore, etc. Mais qui fait sentir une situation de guerre. C'est quelque chose qu'on retrouve, je trouve, dans cet ouvrage, et qu'on retrouve parce que, aussi, qui dit guerre dit désinformation, et en ça, il me semblait, moi, que c'était un livre nécessaire, parce que, premièrement, on passe par-dessus ce que tout le monde a vu, à savoir la pléthore d'images d'un tremblement de terre et d'un tsunami, et qu'on comprend qu'il s'agit de bien d'autres choses et de durée, et puis d'autre part aussi parce que ces choses-là ne sont pas finies, que ça va encore s'ancrer, et que ce qui est dit autour de l'accident de Fukushima, du désastre de Fukushima, tient parfois de la désinformation ou du déplacement de ce qu'on considère comme tolérable, etc. Je voudrais juste, pour preuve de ce que j'avançais, on a tous, je pense, de par le monde, entendu parler de ce séisme. Et à la page 64 de l'ouvrage, parce qu'on commence avec le séisme, on continue, vous l'avez compris, avec le tsunami, puis on termine, on plonge, c'est vraiment une plongée dans Fukushima et ses désastres. Petit classement tectonique, donc le vendredi 11 mars, 78 séismes, dont le grand dont tout le monde a entendu parler. Mais le samedi 12, il y en a eu 148, le dimanche 13, 117, le lundi 14, 71, le mardi 15, 47, le mercredi 16, 45, etc. Et pour avoir une journée sans une seule réplique après le 11 mars, il faudra attendre le 8 juin. Donc ça, c'est une première chose que des photos, si puissantes soient-elles, ne nous donnent pas. La deuxième chose, voilà, c'est le devoir de l'écrivain, le devoir du témoin, c'est aussi peut-être celui de donner des informations auxquelles la pléthore à laquelle on est confronté ne nous donne pas accès. Oui, oui, tout à fait. Ensemble, on l'évoquera sans doute, je crois que c'est le 12 août, c'est ça ? Le 12 août, il y a un talk avec Akash Kapoor et Nina Kandasamy, et Delo. Donc là, on l'évoquera sans doute de manière plus précise. Mais évidemment, le rôle de l'écrivain ici, il est fondamental. C'est-à-dire, il est à la fois, à mon avis, il est d'aller sur place. Combien j'ai vu de gens qui parlaient de Fukushima de manière finalement assez désinvolte. D'ailleurs, soit qui critiquent, soit qui au contraire minimisent l'accident, mais quand on n'y est pas allé, ça me paraît assez non, oui, désinvolte, irrespectueux d'en tirer des leçons. Donc déjà, le travail de l'écrivain, à mon avis, c'est d'y aller, c'est d'aller sur place, quels que soient les dangers. Et ensuite, c'est de trouver une écriture qui dise ça. Moi, j'avais très peur, en écrivant ce livre, de faire un livre pamphlet. J'avais déjà donné avec Sympathie pour le fantôme, donc je savais que j'avais une tendance un peu moqueuse, ironique. Il me semblait que la situation était assez grave pour se débarrasser de ce côté polémique. On ne polémique pas quand il y a des millions de vies en jeu, quand l'univers de la planète même est en jeu, parce que l'arme atomique, l'énergie atomique est une énergie qui, évidemment, déborde de loin le problème d'une seule centrale appelée Fukushima. On ne polémique pas, mais on s'engage. On s'engage, oui, bien sûr, oui. Oui, quoi faire d'autre ? Il y a peut-être des questions. Voilà. Quelle a été l'effet de la mondialisation sur la société japonaise ? J'ai l'impression que le Japon, c'est une culture plutôt homogène. Donc avec la mondialisation, diriez-vous qu'il y a eu une ouverture vers d'autres cultures ? Je vous remercie de cette question. Personnellement, et je pense que le Japon n'est pas une société homogène. C'est un mythe qui a été créé d'ailleurs assez récemment. Il y a un écrivain, un historien japonais, qui s'appelle Oguma, O-G-U-M-A, Eiji Oguma, qui a montré depuis une quinzaine d'années maintenant, ses travaux commencent à être très connus, même s'ils ont provoqué beaucoup de scandales au début, il a montré que cette homogénéité japonaise supposée est un mythe qui a été politiquement forgé par les gouvernements japonais successifs.
c'est qu'en fait, quand on remonte l'histoire du Japon, on s'aperçoit que, et un événement comme Fukushima le montre, on s'aperçoit que le Japon est un pays extraordinairement composite, fragmentaire. Je vais vous donner deux exemples. Le Japon est un archipel. Il y a quatre îles principales. L'île du Nord, Hokkaido, est japonaise, officiellement, depuis 1868. L'île du Sud, Okinawa, l'île la plus au sud, tout près de Taïwan. En fait, c'est un ancien royaume qu'on appelait les Ryukyu, et qui a toujours... C'était un royaume indépendant, et qui, pareil, a été colonisé. Ce sont des entreprises de colonisation, hein, au nord comme au sud. A été colonisé par les Japonais à la même période, c'est-à-dire à environ à l'époque Meiji, 1868-1870. Donc, vous voyez, le Japon, déjà au nord et au sud, les frontières homogènes tremblent et même se désagrègent. Ensuite, vous avez, dans tout le Japon, vous avez des phénomènes de migration, non seulement internes, mais externes. Si vous allez en Amérique du Sud, vous allez voir qu'il y a des villes au Brésil, par exemple, Sao Paulo est une ville très japonaise. Il y a énormément d'immigrés japonais qui se sont installés au Brésil, en Amérique du Sud en général. D'ailleurs, on en garde des traces nombreuses, puisque vous avez un dirigeant, hélas, de sinistre mémoire, le président du Pérou, qui s'appelait Fujimori. Oui. Donc cette idée d'un Japon non seulement homogène, mais qui vivrait un peu dans sa bulle, elle a des raisons historiques aussi, hein, parce que le Japon a eu une politique de fermeture jusqu'en 1868. Donc elle n'est pas tout à fait fausse, mais disons qu'elle est à nuancer et même en certains cas à contester de manière forte. Après, il y a ce que vous soulignez très justement, c'est-à-dire que les phénomènes de migration sont anciens, mais effectivement, avec ce qu'on appelle la mondialisation, il y a aujourd'hui des flux migratoires qui sont importants, avec la Chine, avec la Corée notamment, qui sont d'anciennes colonies. Donc là aussi, il y a des problématiques qu'on croyait, qui ne sont pas réservées, si vous voulez, aux pays européens. Finalement, toute cette problématique des post-colonial studies, elle peut très bien s'appliquer au Japon également. Dernière chose, le Japon est un pays vieillissant. C'est un pays qui perd de la population. C'est un des rares pays au monde qui perd déjà de la population. C'est-à-dire que chaque jour, il y a moins de Japonais qu'hier et plus que demain. Hein, donc c'est un pays en décroissance démographique. En vieillissement, il y a déjà pratiquement 20%, 18-20% de la population qui est âgée de plus de 65 ans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un pays comme ça a besoin de main-d'œuvre et va être obligé, peut-être, à moins de trouver d'autres solutions, de faire appel à une immigration. D'ailleurs, le gouvernement japonais l'a très bien compris. Il a mis en place toute une nouvelle politique par rapport à l'immigration, notamment par rapport aux Brésiliens et aux Chinois. Donc voilà, pour finir avec votre question qui est très intéressante, l'idée d'un État, d'un pays homogène, c'est une idée assez littéraire qui a beaucoup plu à un certain moment, mais qui est vraiment... sinon à réviser de fond en comble, du moins à nuancer très très fortement. Et encore une fois, je fais référence à la nouvelle école historique japonaise, notamment à Oguma Eiji. Je ne sais pas si c'est traduit en anglais, ça ne l'est pas en français, il faut le dire en japonais. Mais je pense qu'il doit y avoir une traduction anglaise peut-être quand même quelque part. Un peu la même question, mais vous avez déjà répondu. Mais j'ai une autre. D'abord, je trouve que vous êtes très très bien servi aujourd'hui parce que vous avez des tables rondes, non? Ça vous embête, mais surtout parce qu'elles sont toujours rectangulaires, si j'ai bien compris. Alors ce soir, vous avez de la chance. Et vous avez aussi de la chance d'avoir un public qui ne dort pas, alors que dans votre description dans les établissements littéraires et universitaires, le public dort toujours. Et se réveille uniquement quand il y a des petits cocktails, non? Bon. Alors aujourd'hui, c'est tout à fait... Pondichéry. Donc aujourd'hui, c'est tout à fait différent, voilà. Le public de Pondichéry ne dort jamais. Après, j'ai beaucoup aimé le sympathique Ponto. Et alors, vous avez remarqué la sensualité de ce roman, et je ne sais pas si le mot sensualité est bienvenu, parce que déjà, j'ai une question à vous poser. Il y a un extrême raffinement, non, dans la perception, et qui d'ailleurs est le même
s'il s'agit d'un coup de femme ou si c'est une prune qui a 70 ans ou voilà, vous êtes exactement ce dans le, et votre roman, mon ami, est une mise en roman de l'Empire des signes de Barthes, exactement, parce que là où votre langue est très très savoureuse, donc dans ces situations-là où il y a quelque chose concernant le corps qui est en jeu, mais ce sont des signes, hein, c'est pas la sensualité, c'est pas la matière, hein, toujours. Alors la question que je voulais vous poser, en vivant, en fait, votre formation sensible s'est faite au Japon, est-ce que vous pouvez dire la différence, par exemple, de la manière de manger, d'aimer, de lire, d'écouter de la musique, enfin tout ça, ce corps sensible, en quoi elle aurait été différente si vous aviez eu votre formation en France ou alors au Japon où vous l'avez eu? C'est une belle question, merci, mais difficile aussi. D'abord, ma formation sensible, comme vous dites, elle n'a pas eu lieu seulement au Japon, puisque j'ai vécu toute mon enfance en Afrique, au Tchad, au Madagascar notamment, à l'île Maurice, au Niger, en Guyane pendant mon adolescence. Donc, le Japon est venu après. En plus, alors ma formation universitaire, ma formation d'études, c'est à Paris, et c'est dans un lieu extraordinairement cérébral, qui est l'École normale supérieure. L'École normale supérieure, là, c'est pas un lieu... un lieu d'une grande sensualité, moi je n'ai pas trouvé, mais en revanche c'est un lieu où on apprend à raisonner. Donc le Japon, l'arrivée au Japon vient après cette enfance nomade, colorée, riche, sensuelle, en Afrique et dans l'océan Indien, et après cette espèce de chose admirable, mais quand même assez lisse et stricte et rigide, qui est des études supérieures en France. Avec un esprit quand même cartésien très poussé. Et le Japon amène complique encore ces deux choses-là, amène quelque chose d'autre, qui est, alors, c'est plusieurs choses, et c'est plusieurs choses ténues. Moi, ce qui m'a frappé tout de suite en arrivant au Japon, d'abord, c'est qu'il y a toute une culture de l'indirect au Japon. Au Japon, c'est très rare de dire les choses directement. Je vais vous donner un exemple très précis. J'étais avec une jeune femme japonaise, qui parlait très bien le français, donc qui aurait pu me dire des choses très clairement. Elle était fâchée contre moi. Je n'entre pas dans les détails, ça arrive assez souvent que les jeunes femmes se fâchent contre moi. Bref, nous étions face à face, et il y avait une table, et il y avait une fleur qui était encore plus défraîchie que celle-ci. Une fleur fanée. Et pour me signifier, cette jeune femme japonaise, pour me signifier que je l'avais déçue, que j'avais eu un comportement... de salaud, pour dire le mot, au lieu de me dire en face, franchement, elle a dit, voilà, ton attitude me rend exactement comme cette fleur. Je regarde la fleur, et la fleur était en train de faner. Et je peux vous dire que dire les choses de cette manière-là, indirecte, eh bien, paradoxalement, ça multiplie l'effet, ça multiplie l'intensité. Et au Japon, il y a souvent ce genre de choses. Mais alors des fois, c'est vraiment du billard à 3, 4, 5, 6, 7, 8 bandes. C'est-à-dire, avant de comprendre quelque chose, il faut des années d'initiation et de pénétration progressive dans la culture japonaise. Et j'aime beaucoup ça. Je trouve que lorsqu'on parle du raffinement japonais, on en parle comme ça, de manière un peu vague. Et je crois que ce raffinement, si on commence à l'analyser précisément, eh bien, il passe par là, il passe par des effets indirects, une culture de l'indirect qui est extraordinaire. Deuxième chose, il y a aussi une attention aux petites choses. Alors je sais qu'il y a un de vos écrivains, de vos grands écrivains, qui a écrit Le Dieu des petits riens, c'est ça, là voilà, au Japon, on a les petits riens. On a toutes ces petites choses auxquelles on ne prête pas d'importance. Des choses qui sont ordinaires ou même en dessous de l'ordinaire, des petites choses de rien du tout. Là. Ce que l'écrivain Georges Perec, appelait ça l'infra-ordinaire. C'est-à-dire des choses qui sont vraiment à un niveau très quotidien, des choses ténues, fines, encore une fois, là on a une autre approche du raffinement, mais finalement sans ces choses-là, que serait notre vie?
des petites choses à rien du tout, un sourire, une petite attention amicale, un geste, même un geste ou une ébauche de geste. Au Japon, dans d'autres cultures également sûrement, hein, mais au Japon en tout cas, j'ai remarqué que ça prend une importance extraordinaire. C'est un peu, alors je reviens souvent là-dessus, j'en ai parlé avant-hier à des journalistes indiens. Ce qui me frappe, moi, depuis que je suis arrivé, je connais absolument rien à l'Inde ni à Pondichéry, mais le kolam, ce geste très simple qui consiste à mettre un peu de poudre et à faire un petit dessin devant sa maison chaque jour, trois fois rien, mais imaginez votre vie sans ça. Et il me semble que là, encore une fois, si on doit trouver un rôle à la littérature, je ne suis pas sûr qu'un écrivain ait un rôle spécial à jouer, mais peut-être un écrivain, la littérature, peut-être c'est ça, c'est redire à tout le monde, de manière forte, l'importance de ces toutes petites choses-là, qui finalement nous aident à vivre, nous aident à vivre mieux, et nous aident à vivre les uns avec les autres. J'ai deux questions. L'une, ça, par rapport à votre parcours, vous avez voyagé et vécu dans plusieurs pays. Dans quelle identité vous vous sentez homely ou confortable? Comment dire en anglais, the comfortable zone? Parce que, alors, est-ce qu'il y a une permanence dans une identité? Pour moi, l'identité, elle est toujours à devenir, qu'on soit français ou indien. Alors, est-ce que dans le travail de métissage et tout ce parcours que vous avez vécu, à quelle identité vous vous reconnaissez? Et la deuxième question, c'est plutôt par rapport à votre livre Fukushima et les tsunamis qui a eu lieu non seulement à Haïti et au Japon, mais celle qui a eu lieu en... C'était à Thaïlande ou... Et on a eu quelques répercussions dans le sud de l'Inde, jusqu'à Pondichéry même. Donc est-ce que vous avez pu trouver un œuvre littéraire, une expérience de ce tsunami qui était quand même assez désastreux aussi? Alors je vais répondre d'abord à votre deuxième question. Pour ce qui est du tsunami, c'est pas seulement en Thaïlande d'ailleurs, c'était... Indonésie, surtout qui est retouchée par le Sri Lanka. Il y a sans doute des livres qui en parlent, je ne les connais pas. Je sais que souvent le. Oui. Ah oui, d'autres villes. Sur le Sri Lanka, sur la communauté. Le Carrère, oui. Il y en a sans doute d'autres. Mais souvent, ce que je sais en revanche, c'est que ce genre d'événement très spectaculaire, souvent est traité aussi de manière spectaculaire, donc souvent le cinéma s'en empare, ça fait des catastrophes, des films catastrophes, à tous les sens du terme, et donc là c'est bien que des écrivains s'emparent aussi de ces événements spectaculaires pour peut-être les cerner d'une manière différente. C'est ce que j'ai essayé de faire en tout cas dans Fukushima, c'est un désastre. Sur votre première question qui est extraordinairement difficile, mais je vais essayer d'y répondre, vous me demandez quelle est mon identité, moi qui ai voyagé tellement, moi qui vis au Japon depuis 25 ans ou 23 ans, qui ai grandi dans plusieurs pays. Et si on arrêtait de poser cette question? Je veux dire, quand on demande son identité à quelqu'un, c'est pas votre cas hein, bien sûr, mais le contrôle d'identité, dans une rue, souvent, c'est soit vous avez fait quelque chose de mal, soit vous avez une sale tête, c'est possible en ce qui me concerne, soit vous allez faire quelque chose, on soupçonne de quelque chose. Mais bon, pour répondre à votre question plus sérieusement, je ne crois pas à l'identité comme un bloc. C'est-à-dire, je ne crois pas, si vous voulez, à ces vieilles catégories binaires. Nous, les autres, ici, là-bas, l'Orient, l'Occident. Alors, on peut en trouver, une fois que la machine binaire est enclenchée, vous allez trouver comme ça une série d'oppositions à deux temps. Voilà. Je ne crois pas à cette opposition, et je trouve qu'elle n'aide pas à penser.
tout ce qui m'intéresse dans la vie, et tous les gens qui m'intéressent, ce sont justement des gens qui ne sont pas dans la confrontation, dans l'opposition frontale de deux côtés. Ce sont des gens qui sont dans le tressage, le mixage. Ça ne veut pas dire que ça se fait tout le temps dans l'harmonie. Il y a des frictions, évidemment, il y a des problèmes, y compris internes, y compris psychologiques. Mais je pense qu'on sous-estime énormément la joie, les puissances de joie dont sont porteuses des identités multiples. Voilà. Des identités multiples qui coexistent, coexister n'est pas le verbe exact, qui se tressent vraiment à l'intérieur de quelqu'un. Et une fois qu'on commence à vivre de cette manière-là et à penser de cette manière-là, c'est-à-dire en évacuant ces choses binaires, nous les autres, les Indiens, les Français, il agit exactement comme un Indien. J'ai entendu ça, je sais, depuis 3-4 jours. J'ai dit, ça m'a fait bizarre, parce que j'aurais agi de la même façon que lui. Donc voilà, ce genre de catégorisation très forte me semble empêcher la pensée et me semble empêcher de vivre même. C'est-à-dire qu'on n'a pas à choisir entre, par exemple, entre deux nationalités. On n'a pas à choisir entre. De même qu'on n'a pas à choisir entre son père et sa mère. On peut, si on veut. Il y a toutes les catégories, toutes les problématiques familiales que vous voulez. Mais laissons chacun libre de vivre dans la culture, dans la ou dans les cultures qu'il veut, y compris celle où il est un peu étranger. Être 100% japonais, par exemple, qu'est-ce que ça veut dire ? Quand Dany Laferrière écrit « Je suis un écrivain japonais », il y a une part d'humour, mais il y a une part de vérité extraordinaire. C'est-à-dire qu'il est aussi japonais que Tanizaki, puisqu'il a appris à vivre avec Tanizaki. Allez. Donc voilà, pour en finir un peu avec cette identité collante, cette identité glue qu'on veut nous imposer, moi je proposerais plutôt des identités rapprochées multiples. Voilà. Oui. Et un peu comme un acrobate, on peut passer de l'une à l'autre. C'est très pratique, quelquefois, pour esquiver les problèmes, les situations de conflit. Au lieu de se batailler avec quelqu'un, ton identité, mon identité, on va trouver un troisième, on va trouver un pont pour arranger tout ça. Une espèce de culture de la négociation et de la traduction. Voilà. Soyons en traduction les uns avec les autres, au lieu d'être en opposition avec des identités bien trempées. Un rejet de l'enfermement, en fait, parce que finalement, quelque part, l'identité, elle vous est imposée par les autres. Et puis après, on a tous, je crois, fait l'expérience de gens qui affirmaient très fortement une identité, ce qui pouvait très bien être un passage, hein, un moment dans l'existence. Peut-être besoin de ça. Mais mon Dieu, quelle raréfaction de l'oxygène pour les autres! Hein, c'est quelque chose d'absolument intolérable. Alors, Michael parlait d'acrobate, mais il faut dire que son grand-père était acrobate. Donc c'est aussi un acrobate comme ça de l'identité multiple, des identités multiples. Moi j'étais en train de. Ce qui m'a vraiment intrigué, c'est votre regard sur. Les différents livres que vous avez écrits. D'abord, c'était un livre sur le fantôme. Il y a une petite acte disappearance. Après ça, il y a Fukushima. Encore une fois, je vois qu'il y a un lien de disappearance. Et puis, on voit que vous êtes choisi le thème et le sujet column avec les fonds. Là aussi, il y a un acte de disappearance. Ce sont des dessins flottants. Ce qui m'intrigue, ça n'existe plus. Ça vient, c'est très beau ou c'est très mauvais, mais ça, après ça, ça n'existe plus. Ce que je vous demande, c'est que qu'est-ce qui vous a y arrivé quand vous avez choisi ce sujet qui est tellement, je vois, un lien entre les choses que vous avez introduites, les livres que vous avez introduits ce soir à nous, et l'acte de Colum, qui est un acte d'un dessin flottant qui va aussi disparaître. Vous avez un excellent esprit d'observation. Le Colam, j'ai un peu honte de parler du Colam à des gens qui vivent au milieu des Colams, alors que moi je viens d'arriver, mais bon, je vais essayer quand même. Pourquoi ? Vous me demandez pourquoi tout d'un coup ça m'intéresse, ça me séduit, ça m'attire.
pour plusieurs raisons. La première chose, et ça vous l'avez très très bien dit, il y a quelque chose d'éphémère là-dedans. C'est un art éphémère, c'est un art qui disparaît. C'est pas pour rien que je suis au Japon depuis 23 ans. Au Japon, vous savez, on appelle ça le pays des les estampes, c'est les ukiyo-e, les fameuses estampes japonaises, c'est les images du monde flottant. Et dans les films de Mizoguchi, dans les films de Kurosawa, même de chez Ozu, vous avez ces espèces de paysages noyés dans la brume qui semblent disparaître comme des fantômes qui s'évanouissent, qui sont diaphanes comme ça et qui s'en vont dans la brume. Donc ce côté-là me rappelle tout simplement à notre fragilité humaine. Alors, on n'est pas là pour très longtemps, on est là pour quelques années. Donc un, il faut en profiter, deux, il faut essayer de trouver une espèce de façon de le dire. Il me semble que le kolam, c'est une façon aussi de dire ça, mais il n'y a pas que ça. Ce qui m'intéresse aussi dans le kolam, à part cet aspect éphémère, c'est aussi le quotidien, c'est un art du quotidien. C'est-à-dire chaque jour, on le fait, exactement comme chaque jour, j'écris. J'écris pas une fois de temps en temps, c'est un moteur permanent, c'est une énergie, c'est quelque chose qui circule en moi, il faut que je le fasse. C'est un peu comme une activité physique autant que cérébrale. Donc c'est la deuxième chose qui m'intéresse. La troisième chose qui m'intéresse, c'est qu'il y a un lien entre cette activité de tracer sur le sol un dessin et, si j'ai bien compris, quelque chose qui est extraordinairement spirituel. Donc on rejoint quelque chose qui est au niveau du ras du sol, on est vraiment au sol, on est sur la chose qui nous porte. Et en même temps, on est aspiré comme ça vers quelque chose qui est du niveau spirituel, sacré. Certains diront religieux, d'autres diront autre chose. Peu importe, en tout cas, il y a une circulation. Quatrièmement, il y a le fait que c'est un art femme. Et ça me semble très important. Si j'ai bien compris, c'est un art qui se transmet de la mère à la fille. Donc là, moi aussi, je suis très sensible à cet aspect féminin. Peut-être dans un pays comme l'Inde, c'est une question qui me semble essentielle. Et voilà, donc il y a plein de choses qui bouillonnent autour de ce kolam en ce moment, et que je vous expose de manière un peu brouillonne, mais voilà, c'est pour ça que toutes ces choses-là sont en train de travailler. Je vais essayer de faire un équivalent textuel de cet art visuel, de cet art du dessin. Il y a aussi la question du geste. Écrire, c'est pas simplement quelque chose qui est dans on n'écrit pas seulement avec sa tête, avec son esprit. On écrit avec un geste, exactement comme Albius trouve le geste pour féconder la vanille. Et hop, ça ouvre tout de suite un univers, y compris un univers économique et marchand, mais surtout un univers de goût, de parfum, de couleur, de gustation. Moi, je suis une étudiante de langue française. Je voudrais savoir quelle est l'origine de la langue française et quel est le futur de cette langue. À l'origine de la langue française, il y a un linguiste français qui a écrit un livre là-dessus qui s'appelle Bernard Cerchiglini. Bernard Cerchiglini, c'est un écrivain, mais c'est aussi un grand, grand linguiste. Et donc, tous les travaux, tous les livres de Bernard Cerchiglini portent sur l'origine de la langue française. Et l'origine de la langue française, elle a des origines multiples, mais vous verrez dans les travaux de Cerchiglini, Cerchiglini dit que la langue française est une langue créolisée. Ça ne veut pas dire que c'est une langue des Caraïbes ou une langue exotique, mais c'est une langue qui a subi un phénomène de créolisation à partir du gaulois, à partir du latin évidemment, et à partir d'autres souches, notamment une langue qui était parlée dans la région parisienne, dans ce que nous appelons la région parisienne aujourd'hui, et qu'on appelle le francien. Donc c'est une langue qui, comme toutes les langues sans doute, en tout cas toutes les langues que nous connaissons, est une langue qui est d'origine hybride. Pour ce qui est de son futur, le futur de la langue française, je n'en ai absolument aucune idée. Je ne sais pas. Je sais que les linguistes, encore une fois, puisque vous posez une question sur la langue, la réponse peut être chez les linguistes. Les linguistes qui travaillent en ce moment sur la langue anglaise,
et là je parle sous le contrôle d'Olivier Lidvin, qui est un grand connaisseur de l'anglais, les linguistes qui travaillent sur la langue anglaise disent que la langue anglaise aujourd'hui subit un phénomène tout à fait extraordinaire dans l'histoire des langues. La langue anglaise est en train de se scinder en trois, peut-être quatre grandes langues qui ont pour souche une langue anglaise, non pas originaire, mais ancienne. Et donc, on a un anglais américain, on a l'anglais de Oxford, Cambridge, on a un anglais indien. L'anglais indien est un anglais très spécial. C'est pas de, c'est, et qui, en plus, est en train de se spécialiser encore plus, aussi bien au niveau de l'intonation, de la prononciation, des structures grammaticales, du vocabulaire. Donc, les linguistes qui travaillent sur l'anglais pensent que l'anglais, comme langue, est en train de se disséminer ou de se fragmenter. Je pense, mais c'est un peu de la linguistique fiction, je pense qu'en ce qui concerne le français, nous aurons un phénomène de ce genre-là. Pourquoi ? Parce que la langue française va être parlée de plus en plus, c'est déjà le cas, mais ça sera encore plus le cas, à l'étranger. C'est-à-dire qu'à l'horizon 2050, d'après le dernier rapport du Conseil de la francophonie, la langue française sera parlée beaucoup plus en Afrique, par exemple, qu'en France même ou en Europe. C'est-à-dire que le réservoir linguistique de la langue française, c'est l'Afrique. Or, j'ai vécu une grande partie de mon enfance en Afrique, je peux vous dire que le français qu'on parle en Afrique est très multiple, très varié, et il est d'une certaine manière en train de se détacher aussi d'un français standard tel qu'on le parle dans l'Hexagone, par exemple. Donc si vous me posez la question sur l'avenir de la langue française, il me semble que peut-être elle va se pluraliser, ou au moins, tout comme l'anglais, se dissocier en plusieurs blocs, au moins un bloc africain et un bloc européen, peut-être un troisième bloc du côté des Caraïbes, je ne sais pas. Mais encore une fois, c'est de la fiction. Vous aurez la réponse dans une trentaine, une quarantaine d'années. Et on espère que les alliances françaises joueront leur rôle, bien évidemment, dans cet avenir de la langue française, parce que Michael, dans son livre Sympathie pour le fantôme, est, à ma connaissance, le seul écrivain français qui parle de l'Alliance française, qui rend hommage à l'Alliance française, en parlant de, c'est pas très drôle, hein, l'Alliance française de plus en plus solitaire et désargentée. Fin de citation. Voilà. Donc, mais néanmoins, il a le mérite d'attirer l'attention sur notre quotidien, le quotidien de nos 900 établissements de par le monde. Je pense que on peut honnêtement croire que l'avenir de l'Alliance française, de la langue française est lié à celui de l'Alliance française, mais il va falloir quand même faire très très attention à l'avenir des alliances françaises. Voilà. Avez-vous d'autres questions ? Grâce à l'Alliance française, on a eu... Tant qu'il y aura un public comme ça, absolument. Je pense qu'il y a quand même de l'espoir. Je pense qu'il y a de l'espoir. Moi, je suis très optimiste. Merci beaucoup à tous. Merci. Merci infiniment. Merci. Merci Nicolas. Alors, avant que nous quittions, mardi 12 août, mardi prochain, au théâtre Adi Shakti, vous savez, à Auroville. Donc, il y aura une table carrée, ou une table ronde à 4, avec Michael, Nicolas, Mina Kandasamy et Akash Kapoor sur le thème de l'écrivain comme témoin, en tant que témoin. Donc, ça recouvrera certainement certaines problématiques qu'on a pu aborder aujourd'hui. En anglais. En anglais, ce sera en anglais. Même in Fringlish, c'est-à-dire c'est l'anglais français, Fringlish. Fringlish. Et le 14 août, nous avons un événement un petit peu particulier, qui est différent, qui est une série de lectures croisées où et Michael et Nicolas vont lire chacun les textes de l'autre en expliquant pourquoi ils les ont choisis. Et cela aura lieu à la maison Colombani
Je pense que c'est aussi un événement un peu exceptionnel. On n'a pas l'habitude d'écouter les écrivains lire leurs textes et lire les textes des autres. Voilà, donc vous êtes les bienvenus pour ces deux événements. Merci encore de votre présence et à très bientôt. Au revoir. Merci.